Bon, on a vu un chez Copic là ou quoi? Oh, ça prend Ying. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh le move. Oh le. Oh l'intelligence. Oh. Mais l'autre la t-shirt de chez le coiffeur là, avec son petit dégradé de merde, avec sa petite chemise. Ouais bah moi j'étais là pour un after work. On lui dit police, police. Il se transforme, c'est la cage au folle, là il court dans tous les sens et tout. Moi j'essaie d'être sympa, tu vois, j'essaie de lui dire calmez-vous monsieur, calmez-vous, ça va bien se passer. C'est dans mes fils de pute dans la cuisine pour se servir un putain de burger. Et l'autre est là, et ben on rentre pas dans la cuisine, ok, il me tire dessus. C'est pas un drone, c'est une smoke ça mec. Une adoption, tu deviens son père. Ça voudrait dire qu'il faudrait que Nick ça. Ah bon, c'est possible, hein. Du Sébastien Loeb, tiens. Bam 360, mon gars. Bam, il tue. Oh putain. Salut. 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 On est tué tous. C'est moi, on est en Discord, 2 minutes. Où ça sera le point là, ça sera... Oh, 2 minutes. Oh, attends-y. Gros, vous parlez au lieutenant là. Je peux mettre un coup de crasse si tu veux. Veuillez m'excuser mon lieutenant, là, j'ai ma bouche qui s'est bloquée tout d'un coup et je ne pouvais pas m'arrêter de parler. Pardon, je vais faire un coup. Alors, je savais pas que ça tue quand tu viens sur la tête. La pote, tu veux monter? Let's go. Quelqu'un, je le fais reprendre. Wouah, bien joué ça. Oh my fucking god, I'm so excited. Je vois pas en fait. Oh! Ah, désolé. J'ai envie de dire que le jeu d'Alpha, par contre, on a du mal à s'y faire. Ok, passe pas celle-là, vous avez pas compris. Eh bah, allez, du mal à s'y faire. Allez, ça y meurt! What mec, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, non. Tire tes balles. Vas-y, bah il y en a plus à un moment. Ah, il y a un moment, il y a plus de balles. Mais... Pas de casse ta porte, quoi, on va mettre du one tap. Ah, okay. J'ai dit quoi, on casse ta main door, on va mettre du one tap. Ça tire où là? Y'a un mec là! Les feux de l'enfer! Bibi. Victoire des défenseurs. Attention, ici c'est l'école, la vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Yo tout le monde, comment ça va sur le campus de la Salty Academy en ce lundi? Comment ça va? Bien ou quoi? Vous avez passé un bon week-end? Bonjour! Oh là là, ça repart, c'est parti!
Bonjour Victor Leval, merci pour les 36 mois de frais de scolarité. Sans les bans, je serais à 52 mois. Sans les bans, je serais à 52 mois. Bah ouais, tu m'étonnes. Comme quoi, tu vois, on paye même les gens qui payent ici, on est vraiment cons. Hein. On banne, pardon, même les gens qui payent. Yo Exo, salut Slinky, yo Griffon, salut Neyoxy, salut Little Ocelot, la Sainte Bifle. La Sainte Bifle, carrément. Lithium, Mr. Reaper, comment ça va? Bonjour Oni Gaming, comment ça va? Bonjour Honda Racing, bonjour Kinao, bonjour Gigi LT. Bonjour Atrium, Alexis, JLM, Chipscou, Asxma ou Asama, Jérémy 935, Petit Bras, Mr. Reaper, Kakige, j'ai oublié qui? Wisebot? J'ai oublié Wisebot. Hein. Onizuka, peut-être que j'ai oublié, c'est possible. Hein? Et toi, comment ça va? Bon, yo, Honda Racing, rentrez. Quoi au programme? Comment ça, quoi au programme? T'as qu'à lire le titre, fils de pute. Ah, comment ça, quoi, au programme? Il y a un titre, les gars, vous faites point d'exclamation, title. Ça va aller en anglais ou pas, hein? Wow. Merci infiniment, Chipscou, d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit de scolarité au sein du campus de la Solty Academy. Merci Onigaming pour les 38 mois, merci Gothic War pour les 29 mois, merci Victor Leval pour les 36 mois. Et merci Chipscou d'avoir offert la possibilité à Yok Up, Sofiane de Paris, QVVLXSS... Putain la vache les pseudos. Cause 590 et Alvaro, leur droit de scolarité. Merci mon poulet, t'es un monstre vraiment. Et merci. Putain, c'était quoi ce bordel? Merci infiniment Clément le Pélican d'avoir déclenché le RER de la hype sur le campus. Merci pour les 7 mois de frais de scolarité. Je bois toujours du Oli, mais... Je l'ai pas mis dans le shaker Oli, mais c'est toujours du point d'exclamation Oli. Non, je préfère pré-shot parce que vous allez me demander « Qu'est-ce que tu bois ?» C'est pas une analyse d'urine. Quoique. Vas-y, ah, c'est pas grave avec un t-shirt John Peace de toute façon. Salut Six, le développement de The Division 3 a été annoncé, tu y jouerais ? C'est un jeu Ubi. J'adorerais y jouer. Comme tous les Divisions 1 et 2, j'aime tellement. C'est tellement un jeu que j'apprécie parce qu'il y a beaucoup de nécessité d'être très skillé. J'adore les jeux où il faut être très skillé. Du coup, de facto, CQFD, j'adore The Division. Non, pas du tout. J'ai jamais aimé The Division, frérot. Voilà quoi. Non, mais franchement, le jeu est pas trop mal, quoi. Mais c'est pas du tout ma tasse de thé, quoi. Merci Dojo, enfin bonjour Dojo pardon, bonjour Shakira, lol, voilà ça c'est un pseudo drôle. Ah tu demandais l'autre jour quel gros streamer continuait sur Siege, il y a Team The Tatman qui continue, il vient de sortir du copper. Gros streamer effectivement, je peux me le permettre, je suis suisse. Ah putain Chipscou, tu m'étonnes, putain tu devrais lâcher par centaines les subs. Merci Clément en tout cas pour les 7 mois. Yo Charlton, comment ça va? Bien ou quoi? Bon, aujourd'hui du coup, il y a de prévu quoi. Il y a un teachers de prévu, un deuxième teachers de prévu en fonction du sub goal, on verra. Et après, il y a une annonce. Ah c'est bon, l'annonce, vous la connaissez tous, non? Hein? Salut Sixkai a dit qu'il était chaud de te 1v1, mais tu avais peur. Il t'a dit de quoi j'avais peur ou pas, Sky? Est-ce que c'est vrai que j'ai peur? Et c'est ce que je lui ai dit quand je l'ai vu au Salty Festival, parce que je l'ai invité, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il sait pas de quoi j'ai peur. Le truc, c'est que j'ai peur que derrière, s'ils perdent, ce qui va forcément arriver, ça l'affecte. Et dans un souci de bienveillance... Parce que c'est un mec que j'apprécie, j'ai pas envie de lui infliger ça. Voilà. Ah ouais, c'est un don de soi les mecs. Hein. Oh, c'est comme ça que ça se passe.
Hein ah ouais, Papy Gun aussi, j'ai joué avec lui il y a 2 jours. Les gars, ça va. Et c'est moi, le chat, c'est, les questions et les interrogations sont centrées sur moi. Vous parlez pas entre vous, les gars. Et les mecs, ils sont dans un chat, tranquille, en train de parler entre eux, quoi. Hein salut, proviseur, désolé pour le retard. Inadmissible. Comment ça va, Yula, sœur? Yo, chez moi, coucou, big up pour ta vidéo YouTube d'il y a 2 jours. Bah écoute, merci, chez Web. Ça veut dire quoi, big up? Big up, ça veut pas dire genre... salut. Sky va tryhard une semaine et tu es cuit. Lol. Lol, lol, lol. Non, non, non. Je jouerai sur le son. Pardon, pardon, promis, on va t'inclure à nos discussions. Ah, je préfère. Ok, bon, du coup. Bah, vas-y, on lance le jeu parce que j'y ai pas joué depuis une semaine. Et on parlera tout à l'heure de ce qu'il y a derrière moi, right now. À savoir ça. Pourquoi je suis si gros, là? Ah, parce que c'était... J'avais fait une vidéo... Je vais me downsize. Genre comme ça. Ouais, ça ira, allez hop. Ok, pour le moment. Oh, peut-être encore plus petit. Ok. Hein, pas trop petit non plus, quoi. Hey, salut, salut, salut. Bienvenue sur mon stream. Franchement, aujourd'hui, ça va être bien. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec OBS, on fait des trucs incroyables. Voilà, incroyable. Voilà, c'est à peu près bon. Ok, bon, console contre PC. Non, ça s'appelle la console war. Il y a une manette de Xbox et une manette de PS. Du coup, à quoi vous pensez? Hein? À quoi vous pensez? L'annonce que tu deviens un joueur console. C'est que... Non, pas du tout, les mecs, les gars. Ça s'appelle la console war. Console war, ça s'appelle pas là. J'ai perdu tout espoir, quand même. Ou dignité. Vas-y, il fait chaud, là! Ah, j'étais en train de mettre le ventilateur, là. La meilleure compétition sur console? Grave. Une balle aux prisonniers avec des manettes? Exactement. Tournoi 5v5. Nah. Xbox versus PS5. Genre, on met les deux consoles et elles se battent entre elles? Vas-y, il y a développe Zago, là. Yo, l'académie. On va s'envoyer des manettes dans la figure. Exactement. En fait, ça n'a rien à voir avec Rainbow Six. Vous allez être dans un fucking octogone, dans une cage. Et on va mettre un joueur de PS5 et un joueur de Xbox. Et vous allez vous balancer des manettes à la gueule. Ça, c'est incroyable. J'aime bien le concept. Tu vois. Bon, en attendant, on en parlera tout à l'heure. Pour le moment, je joue. Ensuite, il y a Teach Us. Je sais pas à quelle heure. Quand ils seront prêts. Si vous voulez participer, vous faites point d'exclamation Discord. Ouais, ce sera sur point d'exclamation Discord. Et voilà quoi. Ah fuck, à chaque fois j'oublie le... À chaque fois j'oublie mon mot de passe. Du coup, tu connais les tricks pour casser la Mira avec RAM 6.4 qui n'est pas bug. Ah oui, le truc pour... tu la poses sur la tranche de la Mira. Faudrait que j'essaye ça. Et ça fait quoi? Tu la poses sur la tranche, t'appuies le machin et ça la transperce? Ça la fait péter quoi. Comme ça ferait péter un shield en fait. Je lance. Web. Ça va être fixé. Ah, les amis. S'il y a une personne dans le chat, si elle vous dit un truc, il y a des chances que ça va se passer. C'est bien Gio. Hein. Donc visiblement, si ça va être fixé, c'est que ce n'est pas une feature et c'est un bug. Donc c'est un glitch. Donc on n'en parle pas. C'est pour ça que tu t'es fait supprimer ton message, à mon avis. Mais c'est pas un bug. Alors, une MSK, je te présente Gio. Gio, c'est le créateur de l'opérateur. Donc, s'il te dit que c'est un bug, il y a des chances que ce soit un bug quand même. De toutes les personnes qui sont sur la planète,
Ah, c'est le seul où tu pourras pas faire ton expert en disant « c'est pas un bug, je suis désolé ». Il y en a un, c'est lui. God damn it. Donc s'il te dit que c'est un bug, là on en est sûr les mecs, c'est un bug. Enfin un bug, enfin ça sera fixé quoi. Donc on n'en parle pas. Bon, j'ai pas joué depuis une semaine parce que j'étais sur a Payday, qui est vraiment génial. J'aurais voulu continuer sur Payday, mais je n'ai pas continué sur Payday parce que ce week-end, il y a un gros truc qui arrive. Forcément. Donc bon, voilà quoi, j'avais envie de faire un peu de Rainbow Six. Parce qu'autrement, si je joue pas pendant trop longtemps, après je pue la merde. Déjà que quand je joue pas pendant 10 minutes, je pue la merde. Alors voilà quoi. Merci infiniment Neko pour les 11 mois de frais de scolarité au sein du campus de la Solty Academy. Ah, dans les annonces qu'on va annoncer... Les annonces qu'on va annoncer, ok. Donc du coup, il y a plusieurs trucs. Bon, il y a la console War et l'explication de ce que c'est, bien évidemment. Mais Rainbow Six, c'est Halo. Non, mais là, de tous les FPS, c'est le pire, quoi. Putain, fallait qu'on choisisse celui-là. Bon, bref, il y a la console War, mais il y a aussi... Je sais plus. Je voulais dire un truc. Ah merde. Je suis vieux les mecs. Alzheimer me guette. Je pense c'est fini. Merde, il y avait quoi à dire? Il y avait un autre truc. Ah ouais. Les héros, c'est bientôt la fin. Il y a une vidéo qui sort. Enfin bon, sur Twitch, c'est la fin depuis l'été. Mais sur YouTube, il y a une dernière vidéo qui va sortir qui s'appellera La fin des héros. Voilà, qui va être un peu sentimentalo. Non, je déconne. C'est la fin, quoi. Bon, bref. Merci, Neko, encore pour les 11 mois. Du coup, il va y avoir un formulaire qui va passer sur Discord/Twitter aussi pour justement recruter les prochains héros. Voilà. On va en parler. Je ne sais pas. Est-ce qu'on fait un truc à thème? Est-ce qu'on fait pas un truc à thème? Je ne sais pas encore. Je préfère vous le dire. Je préfère être transparent avec vous. Voilà. On aimerait bien faire un truc avec que des nanas. Mais j'ai peur. J'ai peur de beaucoup de choses. Parce que sachant que les héros, on se moque d'eux... Là, j'ai peur que se moquer de jeunes, c'est ok. Se moquer de vieux, c'est ok. Le dernier, je sais pas si ça va passer. Donc, je me dis peut-être que le mieux, c'est de faire... c'est juste d'ouvrir des héros normaux. Enfin, je veux dire normaux, pas par opposition à... Des héros ouverts à tout le monde, indépendamment du genre, de tout ce que vous voulez, tout le monde, grand, petit, vieux, jeune, femme, homme, tout le monde, autre, ce que vous voulez, je m'en bats les couilles en fait. Donc, et après on verrait en fait. Ça va Gaël? Comment ça va poulet? Pour le Teachers, vous avez pour le Teachers, c'est marqué en haut, les amis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bonita, señorita. I'm kidding. I'm speaking English. Oh, grande. Ça va, Gaël? Ça va tranquillement? Je suivais ces derniers jours ton stream Payday 3, c'est sympa. Ok. Le stream PD3. Bon, j'ai pas joué depuis une semaine, donc je vais pas être très bon. Warden, could you do something, buddy? He doesn't even know you're there. I know, I know. He's playing right, crouched. I know, but there is one on the left. Pussy.
tu vas fermer ta gueule un peu. Il me contourne. He's in a frost. One's over here on 3P. Inside pool table. That's the guy pool table. He did, he did, he did. Last one's over here on 3P. He's in that little corner, not door. Yeah, I'm coming. I'm sorry, I haven't played in a big time in a long time. You mean main? In the main lobby? Okay. Where is the diffuse? He's going to main stairs. Probably kitchen now. He went out kitchen door. Okay, okay, I got the sump. It's okay, bro. Love it. Thanks, bro. Thanks for the call. Allez, dégage, mon gars. J'ai pas joué depuis une semaine, mais je te chie dessus, moi. Je te brain, mon gars. What? That was crazy. Yeah, I know. I've been playing for Payday for 1 week. And I'm still so fucking amazing. I don't think he's gone to sleep yet. This motherfucker's stuttering. This dude's on hyped on some cocaine. Nah, it's more like he's on Adderall. Me? Know what I'm saying? Who? That fake ass Adderall. Who? Who the fuck is that? You, buddy. Man, stuttering and fucking. Sound like you're about to have a goddamn. You're talking about me. What the fuck is Adderall? Tu penses par combien de teachers quand on prépare cela bien? C'est marqué en haut, ça dépend de... ça dépend. I'm gonna be your butt buddy. Let's get her done, son. Are you ready to roam? Oh yeah, baby, let's do it. Get her done. L'annonce, l'autre il arrive déjà, tu dis bonjour fils de pute là, l'annonce, c'est où? Déjà tu dis bonjour, ensuite tu lâches ton prime, et après on discute de l'annonce. Non mais oh, ça va, oui. Yeah, one in stock. Top secret, R4C. One's man. Pour faire les Rodoreco, il faut avoir quoi comme critère? Ok, le critère principal des Rodoreco, c'est qu'il faut puer la merde sur Rainbow Six. Non mais soyons transparents les mecs. Ok? Ensuite... He jumped somewhere, maybe in the oil pit. Yeah, he's in blue. I'm low HP, bro.
Don't die, please. Bon, essaye pas d'être travers avec moi parce que tu vas le prendre, je te le dis. He's low too. Less in court. Mais mec, mais arrêtez d'essayer de planter avec moi, vous arrêtez pas. What, what? I said nice job, you deaf fucker. Yeah, I'm sorry. I'm super deaf. Turn down the depth. Turn down the fucking bass, maybe you can hear. I'm not turning the bass off. Can't be that hard. Motherfucker, I didn't say off, I said down. Oh, you mean down? Turn the bass up. Yeah, turn it up. Blow them eardrums out, fucker. What is that accent? Where is that accent coming from? Where are you coming from with that accent, bitch? What? Don't call me bitch. I'm twice your age, you little twat. He's probably 30. You're not British. For a fact. Old are you? How old are you, Mr. 30-year-old? I'm not 30, bro. I'm way more. He's in his 50s now. Scam. What? I think he's about the age of these nuts. I'm 39. Old are you then? You are not 79, my friend. I said 39, you fucking fucker. I hear 70. Yeah, that's because you're as deaf as bad with your aim, you fucking piece of shit. Little tiny European. Little tiny. Very small, very itty bitty. Very, very, very. Please, bro, shut the fuck up and focus on not dying. Ah, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. I don't want that. Yeah, you should take responsibility for something, you piece of shit. Hey, I already killed a motherfucker. What have you done today? I don't know, like two clutches? What do you think about this? Those are not clutches, my friend. It is casual. What the fuck do you mean? It's not casual, it's tender. Tender? We're on tender? Hang on. Is it casual? Oh, it is casual. This is tender? Il est où lui? Il est parti où? Ah, il est là. I think I'll just go for the drop here. What do y'all think? One guy is lounge. Maybe in the main right now. Stop standing. Drop the diffuser. I got the fucking castle. Friendly stop waiter standing. He's probably full table. Alright, got it. T'as appris où l'anglais? En Angleterre? Non, en mettant mes jeux en anglais.
en mettant mon téléphone en anglais. If you use Glacier, you should at least use Buck, fucker. It's the best one you can use. I got Glacier on Buck too, it's okay. IQ is dog shit. There's so many more better than that, but the AUG, that one's pretty good. The AUG is shit. No, it is not, my friend. It is. The AUG is very powerful. Hop off IQ real quick. I'll teach you a fucking lesson. Hop off, let me teach. Get off. Okay, suck the tip of my wiener, Mr. Snitzel. I have the zombie top rafter. Sitting on the first Akiba. Ça va, Mata? She's still there, bro. Moved over here, you can see her foot. You can see her shadow through the fucking door. Right here, you can see her shadow. Yo, face Gollum. Je suis défendu. Coming wait. Yeah, je suis défendu. Yeah. I watch below you. Came down here. Super pour les joueurs console. Désolé, ça fait longtemps que je ne suis plus passé sur tes lives. Je mérite une punition. There's a default thorn. Always under the fuser. This is absolutely terrible because there is absolutely no indication. I hate the. There's no way for me to shoot that either. Your fat ass is in the way. Yeah, but it's like you trigger it, so you should. We should have at least like an indication, you know. But like even red or white, there was no indication at all. I hate that. Right on the inside of the bomb chassis. Not like in it, but you know what I mean. Je le connais pas ce truc, mais ce bug est absolument un truc de fils de pute. Merci infiniment, Juanosaur, pour les 36 mois de frais de scolarité, vous êtes des monstres. Et n'oubliez pas, c'est le September en ce moment. Et voilà la vidéo. Merci infiniment, pardon, il y a plein de gens que j'ai raté, je suis vraiment un connard. Neko, 11 mois de frais de scolarité. Facey, 6 mois de frais de scolarité. Rasta, 4 mois de frais de scolarité, ça arrive l'annonce. Lirosk, 2 mois de frais de scolarité. Vinsmoke, 5 mois de frais de scolarité. Et Juanosaur, 36 mois de frais de scolarité. Désolé, ça fait longtemps que je peux pas passer sur les lives, je mérite une punition. Merci Vinsmoke pour les 5 mois de frais scolarité. Vous êtes des monstres les amis. L'annonce à la fin de mon round là. Et on en parle. Et merci Chartrus, nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. Pas du tout, ça fait déjà des mois qu'il est là. Ah mon spoiler, envoyez plein de GG pour lui, il offre la possibilité à Ilan Prod, Lorco. Aïe 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 aïe, Saint-PQ, lol, Izig et Chavez, leur droit de scolarité au sein du campus de la Salty Academy, à un monstre, envoyez plein de GG, plein de cœur s'il vous plaît, vraiment. J'arrive, je termine ma game pourrie et on y va. Castle. Je suis juste en train de me chauffer, hein, c'est ma première. What the fuck? Qui fait cette décale pourrie là? One office, one cash.
Cash is dead, office is still here. Merci infiniment Freaks d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de payer leur droit de scolarité du coup. Et on va aller voir la vidéo tout de suite. Du coup, merci Freaks d'avoir offert la possibilité à Alex, à Runtao, à Théo Chômage, à Kesmos, à Félix, à Nova R6, à Matt Moving et à Joel Villings. Ainsi qu'à Le Bolos, lol, et Royal Forces, leur droit de scolarité au sein du campus. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour 31 Freaks. Plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît, 31 Freaks. Et merci Chartrus pour les 5 personnes à qui t'as payé des droits, t'es un monstre. Bon, l'annonce, c'est simple, on en parle maintenant, react, tout ça. La vidéo, elle est sortie. Comme vous avez rien vu et que vous êtes des trous du cul, eh ben, voilà quoi. Voilà ce que on a décidé de faire. Ladies and gentlemen. Vous l'aviez vu ça? Ouais, vous l'aviez vu. Merci les poulets. Vas-y, je regarde. Yo, 610, comment ça va poulet? Bien ou quoi? Your best teammate. Remember. Hello tout le monde. Bon, vous le savez, je suis pas le dernier à me moquer des joueurs console, mais comme on est solti, mais pas que, il était temps pour moi que je donne à la communauté Rainbow Six Console la possibilité elle aussi d'avoir un beau projet. Je dis elle aussi car je rappelle que les events qui sont organisés par la Salty Academy sont débloqués par vous, la communauté. Comment ? Simplement via les sub-goals qui sont mis en place sur Twitch. Je ne suis qu'un intermédiaire, un outil, et c'est à vous, en me montrant votre implication, de débloquer ces objectifs et donc ces événements pour la communauté. Car je vous le rappelle, chaque sub, chaque don sur Twitch me permettent, même s'ils ne vous permettent pas à vous, comme vous l'avez vu dans l'une des dernières vidéos malheureusement, d'avoir le pendentif de la Salty Academy sur le jeu, ils me permettent à moi d'en vivre, mais aussi d'organiser des événements pour vous. Alors ça c'est l'une des parties émergées de l'iceberg, mais la partie immergée de l'iceberg c'est aussi la possibilité d'embarquer avec nous des personnes et des partenaires comme Oli, qui nous font confiance depuis plus d'un an et avec lesquels on bosse depuis maintenant plus d'un an, pour organiser des choses sympathiques comme ce que je vais vous présenter dans quelques secondes. Je suis donc super content de vous annoncer que c'est Oli qui va sponsoriser du coup cette nouvelle console war, puisque je la cache et qu'elle était derrière moi. Ils vont aussi nous accompagner, Oli, jusqu'à la fin de l'année pour vous proposer des événements avec des cash prizes relativement généreux. Et comme j'aime ce genre de partenariat gagnant-gagnant, merci Oli. Mais c'est surtout, comme je le disais, grâce à vous et votre soutien, et en particulier pendant le mois d'août, que l'on a pu se permettre de débloquer, que vous avez débloqué, eh bien, ce que je vais vous présenter maintenant. Sachez juste un truc, même si je me moque souvent, jamais, sur PC, nous n'avions organisé un événement d'une telle ampleur. La console War est donc née et permettra donc enfin de répondre à la question « Quelle est la meilleure des consoles et qui est le meilleur joueur ?» PS5 ou Xbox. Pour ça, on a organisé un tournoi qui ne sera pas sur un jour, mais sur deux jours complets, pour définir quel sera le meilleur joueur console d'Europe, le samedi 30 septembre, pendant toute une journée. Les joueuses et joueurs de PS5, de PS4, s'affrontent dans des matchs en 1v1 à élimination directe. À l'issue de la journée, un seul et unique joueur sera couronné meilleur joueur de PlayStation. Mais ce n'est pas fini. Le lendemain, le dimanche 1er octobre, toutes les joueuses et joueurs de Xbox se battront à leur tour dans des duels acharnés. Un seul joueur ressortira du lot. Ce même dimanche, ce sera enfin l'heure de la grande finale, celle qu'on attend tous. Le meilleur joueur de PlayStation face au meilleur joueur de Xbox d'Europe. Qui gagnera ? Réponse dimanche 1er octobre en soirée. Ce qui est sûr, c'est que non seulement le victorieux repartira avec les honneurs, mais il empochera aussi 1000 euros cash. Le perdant, quant à lui, n'aura rien. Vous avez exactement 4 jours, et pas un jour de plus, pour vous inscrire et montrer que la communauté console est supérieure à celle de PC. Attention, quelques petits rappels que vous pouvez facilement retrouver sur le FAQ de l'événement en description. 1. Les liens pour les deux tournois sont disponibles en description. 2. Seuls les utilisateurs de manette seront autorisés. 3. Si vous avez des questions, posez-les au bon endroit, à savoir en ouvrant un ticket sur la page Challenger Mode.
Les questions en commentaire YouTube sur le chat Twitch ou le Discord de la Salty Academy seront laissées sans réponse. Et enfin, 4. Montrez-nous la communauté console, PlayStation 5, PlayStation 4 et les Xbox que vous êtes meilleur que le PC. Alors, prêt à relever le défi ? Montrez-nous que vous êtes une meilleure communauté que la communauté PC. Parlez-en autour de vous, faites du bruit, soyez nombreux à participer. Bon courage et surtout n'oubliez pas, un seul gagnant. Voilà, c'est mon plus gros projet pour la communauté console pour l'année 2023. J'espère que vous serez présents. Ciao tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, j'ai la même. Eh ! Fallait que je vous fasse voir un truc, les images exceptionnelles de la prochaine PS6, les mecs. Incroyable. Incroyable. Ils ont fait une nouvelle PS, les mecs. La PS6. Ça, c'était la grosse annonce, les gars. Tout en longueur, un truc exceptionnel. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez ? La PS5, la PS6, elle s'appelle d'ailleurs, non, la PS6, effectivement, en partenariat avec 6oneZill. S'il est de ouf. Bon bah voilà, donc du coup... Ça s'appelle la console war et le but du jeu c'était pas, on voulait pas du coup faire un truc pour PS5 ou pour Xbox, on en avait un peu marre. Du coup on s'est aidé de l'annonce du crossplay pour pouvoir faire ça, à savoir tout simplement avoir le 30/9/2023, donc c'est samedi, donc vous avez très peu de jours pour vous inscrire et il n'y a pas beaucoup de place. Merci infiniment à Saou pour les 5 points de frais scolarité, David Mam pour les 7 mois, Push or Fold, nouvel étudiant, vous êtes des monstres les amis. Donc le 39, donc samedi là qui arrive, vous avez du 1v1 sur PS5, ok. Regardez bien le FAQ, vous pouvez déjà normalement vous inscrire, les liens ont été faits. Donc merci infiniment à Leven qui est en train d'organiser ça et qui vous fait un truc de ouf. Et le dimanche, il y aura des 1v1 sur Xbox. Et comme il y a toutes les Xbox sont... voilà quoi. Donc toutes les Xbox et toutes les PS d'ailleurs. PS4 et PS5 quand je dis PS5. Donc toutes les PlayStation et toutes les Xbox. Voilà. Et donc, la finale, en soirée de dimanche, du coup, après le duel et après la compétition sur Xbox... Eh bien, il y aura la finale entre le meilleur joueur PS5 et le meilleur joueur Xbox d'Europe. Je dis d'Europe parce que on a essayé de faire en sorte de faire des traductions, on a essayé de faire en sorte d'intégrer un petit peu plus que la France. Bien évidemment, la limite pour nous... Merci pour les 6 mois de frais de scolarité. On ne veut pas tomber dans la débilité de limiter en fonction de certains pays, etc., machin... Bon, on s'en bat les couilles. La limite pour nous, elle est sur le ping. Voilà. C'est la seule limite, c'est celle du ping. Si les gens dépassent 100 ping, alors terminé rideau. Ce qui exclut malheureusement les Québécois. Voilà, à moins que vous vous démerdiez. Salut, je suis top 5 play, j'étais pas là, tu peux me débriefer STP. Ben, va voir la vidéo, Sanzu. Déjà, les amis... Juste un truc, dans le FAQ, l'un des premiers trucs qu'on demande, c'est d'être étudiant au campus de la Salty Academy, ok ? Je vous le dis tout de suite, ok ? On va pas pouvoir, vous allez pas pouvoir jouer sur les tableaux, et moi je suis pas le genre de personne à pouvoir me permettre de dire « Non, mais l'important c'est que tout le monde y trouve son compte, etc. machin. » Je suis pas Zerator, je suis pas Squeezie, et si vous voulez qu'on fasse ce genre de truc-là, il faut trouver des partenaires, ça a mis 6 mois pour l'organiser, ce genre de truc-là. Hein, ils viennent pas me faire des courbettes, d'accord ? Et il me faut... de la thune. Voilà, c'est à peu près aussi simple que ça. Donc on verra bien de toute façon, on verra bien comment ça suit derrière et on verra bien quel est l'engouement derrière. Vraiment, moi j'ai aucun problème à imaginer que les futurs teachers, les futurs Salty Duel, voire même les futurs Campus Cup et les autres trucs qu'on a prévus sur PC passent définitivement sur la console. J'en ai rien à foutre. Genre rien à foutre. En vrai,
Le seul truc qui va faire que on reste sur PC et on passe pas sur console ou vice versa, ce sera l'engouement derrière. Et c'est un engouement de type nombre de viewers et sub. Donc si les personnes lâchent des primes, en parlent autour d'eux, etc. Si on s'aperçoit qu'il y a, je sais pas, 250 joueurs qui sont là pour lundi, pour samedi, pardon, sur PS5, la même chose sur Xbox, et que moi, dimanche soir, je dépasse les 2500 subs, ah, croyez-moi, j'adore qu'on me provoque. J'adore ce bon truc, cette bonne provocation. J'adore ça. Derrière, je vais me dire, bah nique sa mère, la console war, on en fait beaucoup plus souvent. Et on va en faire plus souvent. Mais dans la même manière, si derrière, je m'aperçois qu'au final, vas-y, on investit du temps, on investit de l'argent, on met 6 ou 7 personnes rien que sur la partie prod, au final, c'est quasiment 15 personnes qui font le community management, qui envoient les trucs, le monteur qui a fait cette vidéo, le designer qui va faire le logo, le machin, le truc, et que je me dis, ok, il n'y a que ça comme, comme retour, bah nique sa mère, je ne fais plus rien sur console. Et je serai le premier à me foutre de la gueule de la console. D'accord ? Et après, vous irez voir vos youtubeurs console pour qu'ils vous fassent un truc. D'accord ? Donc, c'est simple. S'il y a de l'engouement, putain la vache, on fait tout péter. S'il n'y a pas d'engouement, j'en aurai rien à branler. Et j'adorerais qu'il y ait de l'engouement. Je ne peux pas être plus clair. La Louvard avec une team manette. Non, mais on peut très bien faire une LAN après derrière ce console, etc. On peut très bien rétablir... un grassroots compétitif pour la console, quoi. Ce qui était le cas au tout début du jeu, bien évidemment. Voilà, quoi. Donc, si les gens like, si les gens commentent sur les vidéos, si les gens partagent, si les gens disent hey, « viens Alfred, participe !» et que le mec va forcément vous faire un truc à la française disant « Ouais, ça sert à rien, je suis pas là trop samedi et tout, j'ai pas trop envie, ça fait 2 mois que j'ai pas joué, nanana, etc. » Si vous arrivez à chercher et à aller comme ça parrainer quelque part une personne pour qu'elle participe, si elle est même gold ou emerald, etc., on s'en fout. Si les chiffres pètent tout, derrière on fera des trucs super souvent. Si derrière en revanche ils pètent pas tout, ça sert à rien. Voilà. Donc je compte sur vous, la communauté console, parce que vous m'aviez dit il y a quelques mois, ouais mais quand est-ce que tu fais un truc, quand est-ce que tu fais un truc ? Bah maintenant je le fais, maintenant c'est à vous de faire les choses. Alors je sais pas, qui est-ce qui est sur console là, dans le chat là ? Et bien évidemment, les personnes les plus gros là, quand je vois directement des personnes, je vous le dis, hein, moi je m'en fiche, hein, vous ayez 16, 17, 18, 19 ans, je m'en bats les couilles. Vous êtes top 10, top 40, top machin, top champion sur votre console, vous avez un peu de notoriété, vous êtes un micro-influenceur, vous avez 30 followers, 50 followers, 200 followers, 300 followers, je m'en fous en fait. Mais on verra bien si ces personnes-là ont la capacité derrière à ramener des gens. Hein, on verra bien si ces personnes-là montrent l'exemple. Parce que quand on fait des trucs sur PC, il n'y a pas que le fait de ramener beaucoup de gens. Il y a des personnes comme Likefak qui vont arriver, qui vont se sub, qui vont ramener d'autres gens, qui vont en parler et qui vont faire en sorte que tout le monde passe un bon moment. Derrière, qui sera le Likefak au final de la console ? C'est ça le truc. Est-ce que cette personne va être comme on l'a déjà vu, à savoir, désolé, hein, mais on l'a déjà fait par le passé, à savoir des petits cons ingrats ? On s'en fout. Si derrière, en revanche, il y a une espèce de logique de se dire « Ok, les mecs, la console, peut-être que 6-4, on ne l'aime pas, parce que ça, on s'en bat les couilles, on peut mettre ça de côté à la limite. » Derrière, en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est pas comme si on avait beaucoup de choses à manger, quoi. Voilà. Ça, ça peut être le début d'une belle histoire sur console, ou pas. C'est aussi simple que ça. C'est peu 6 jours pour faire la pub de l'événement. Même pas 6 jours, t'es ouf ou quoi ? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oh, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire ? On peut pas, après, le truc c'est que si on commence à faire 2 semaines, 3 semaines, on tombe malheureusement après dans des annonces d'autres trucs et tout. Voilà quoi. Merci Paul Blameur, nouvel étudiant du campus. Merci Dewey pour les 50 mois de frais de scolarité. Merci Mich pour les 6 mois de frais de scolarité. Merci Asawu pour les 5 mois de frais de scolarité. Vous êtes des monstres. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quoi votre retour ? Mais ce n'est pas fini. Le lendemain, le dimanche 1er octobre, toutes les joueuses et joueurs de Xbox se battront à leur tour dans des duels acharnés. Un seul joueur ressortira du lot. Ce même dimanche, ce sera enfin l'heure de la grande finale. Celle qu'on attend tous. Le meilleur On va voir qui est qui maintenant. Bah on va enfin pouvoir voir qui est le meilleur joueur de PlayStation. Est-ce que c'est PlayStation ou est-ce que c'est Xbox, quoi ? Parce qu'à chaque fois, ça a toujours été pareil aussi, tu vois.
De nous dire, ouais, la PlayStation, c'est mieux que la Xbox, la PlayStation, c'est mieux que la Xbox. Ouais, bah, on va voir. On va voir, hein. Pressé de voir les résultats. L'événement est mieux, mais PC better. Ça commence à quelle heure? J'espère pouvoir participer. Toutes les informations sont sur Challenger Mog. Regarde. Il y avait même une heure, là. Là, il est marqué midi, là. Période d'enregistrement, midi. En sachant qu'en règle générale, les périodes d'enregistrement, c'est 2 heures avant le début. Donc, un début à 14h me paraît pas déconnant. Sachant que un truc, par exemple, nous on veut pas qu'il y ait des ouais, mais je sais pas s'il était là ou il était pas là. Il y a une période d'enregistrement de 2 heures. Il y a un check-in de 2 heures. Les gens qui font pas le check-in, ils ont aucun moyen de participer. Ouais, mais j'étais en retard. On s'en fout, tu joueras pas et tu le feras pas, tu le feras la prochaine, quoi. Il y a un check-in, il faut respecter le check-in. Les gens qui le respectent pas nous diront ah, mais j'ai désolé, mais j'étais. C'est pas grave. Le truc, il continue, il commencera avec ou sans vous à 14h. Voilà. Merci en tout cas pour les retours. Bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Et n'hésitez pas, je compte sur vous, à en parler autour de vous, à taguer votre pote qui touche un peu sur le jeu, même s'il y a pas, enfin, qui touche un peu sur Rainbow Six, même s'il n'y a pas joué depuis longtemps. Voilà, n'hésitez pas à faire passer le message. Parce que, comme je le dis, je n'ai aucun... C'est plus difficile pour nous... D'organiser ce genre de truc là, hein. C'est beaucoup plus difficile pour nous et complexe pour nous pour des raisons assez logiques. C'est beaucoup plus complexe pour nous d'organiser un truc sur console que sur PC. Bon, parce que moi je suis sur un PC et la prod est sur un PC. Donc rien que ça, derrière on est obligé du coup de faire un effort quand on va sur console. Ok ? Donc il faut forcément que cet effort soit compensé par une hype qui soit supérieure à celle des events sur PC. Nous c'est exactement ce qu'on attend. On s'est tous mis d'accord là-dessus avec la prod. Si on a de la hype derrière, let's go, on refera des trucs. Sinon, en revanche, ciao bambino, quoi. Et je sais comment ça se passera. Dans 4 mois, 5 mois, on sera en février, il y aura le Six Invitational, il y aura des gens qui vont être à donf sur le jeu, etc., comme d'habitude, et qui diront « Quand est-ce que tu fais un truc sur console ?» Et là, je leur répondrai. Notez-le, hein, parce que moi, je peux un peu anticiper l'avenir. On sera en février, et je dirai cette phrase, je dirai « On a essayé ». Mais la communauté console, bah désolé, mais elle n'arrive pas à la cheville de la communauté PC. Donc nous, on continue de faire des trucs sur PC. Montrez-moi le contraire. Montrez-nous le contraire. Des récompenses en jeu seront distribuées ou c'est que pour le premier? Non, c'est un winner takes all. Le premier repart avec 1 000 € cash dans sa poche. Le deuxième, il repart avec rien. Zéro. Walou. Podzob. Après, il pourra repartir avec le fait de dire « Je suis le meilleur joueur Xbox d'Europe. » Parce qu'on sait que c'est un joueur PS5 qui va gagner, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui va gagner, vous pensez? Je vais acheter une Play juste pour l'event. Ah ouais? La Xbox, c'est caca. PS5, bro. Play. Xbox. Je rappelle, donc parlez-en autour de vous, parlez-en aux personnes, parlez-en au Discord sur lequel il y a des communautés, etc. Hein, parlez-en autour de vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et si vous ne le faites pas pour WAM, faites-le pour toutes les 10 personnes ou 15 personnes de la SA Prod qui bossent sur ce projet depuis beaucoup de mois et qui vont faire en sorte samedi et dimanche de vous faire un joli tournoi, quoi. Ok ? Voilà. Et on remercie bien évidemment, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais je refais parce que j'arrête pas d'en boire de toute façon. Mais on remercie Oli de me permettre de boire beaucoup plus souvent qu'avant et surtout de nous accompagner sur ce type de projet parce que c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Hein. Quand, accompagner sur ce type de projet, de façon tout à fait transparente, les 1 000 € sortent pas de ma poche. Donc c'est Oli qui les sort. Cash. Voilà, quoi. Donc... J'avais déjà dit par le passé que nous, c'était ce genre de truc-là qu'on cherchait. J'en ai déjà parlé plein de fois. J'ai toujours été très transparent là-dessus. J'ai toujours dit, nous, les partenaires, moi, ils ne me payent pas. Je m'en bats les couilles. Le but du jeu, c'est qu'ils payent le cash. Parce que faire un truc avec moins de 1 000 €, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas sexy, quoi. Voilà. OK ? Donc, voilà. Donc, ça fera 41 000 euros dépensés en cash price par le campus de la Salty Academy et ses partenaires pour la communauté Rainbow Six. On peut l'ajouter à l'addition. Merci infiniment Synthétique pour les 20 mois de frais de scolarité. Shuriken, 4 mois de frais de scolarité. Tiborski, nouvel étudiant. Vous êtes des monstres, les amis. Vraiment. Donc, parlez-en.
et taguer les gens sur Twitter parce que j'ai pas encore fait le tweet. Je pense que je vais le faire demain. Je pourrais le faire maintenant, mais ça va prendre du temps. Faut que je fasse mes petits emojis, mes petits trucs et tout. Voilà quoi. Avec les 1000 euros, le gars va pouvoir s'acheter un PC. En revanche, ce qui est sûr, je rappelle, hein, pas de clavier souris. Pas de clavier souris. Seront demandés. L'un des premiers trucs qui est demandé, c'est comme la dernière fois. C'est une caméra qui marche. Pour être, parce qu'il y a des gens qui vont me demander, donc je préfère en parler directement. Si vous, avez, si vous allez sur salty-academy.com/FAQ, ben, salty-academy.com/FAQ, vous avez plusieurs trucs qui sont indiqués ici. Et vous avez plusieurs... Donc, le cast de stream, comment savoir que mon match est casté, etc. Puis, je streamais les console wars. Donc, je vous le dis, au cas où vous avez des amis qui se posent toutes ces questions, est-ce que tous les matchs sont cast, est-ce que si j'ai des problèmes, etc. Mais surtout, les caméras, on a fait directement je sais même pas comment dire ça en fait. On a fait une vidéo tout simplement qui montre ce qu'il faut faire et ne pas faire avec la caméra. Et je remercie donc du coup Tisma qui a fait cette magnifique vidéo parce que c'est un truc. La dernière fois c'était pas très clair et c'était pas trop appliqué par les gens. Du coup on a décidé de faire une vidéo explicative pour montrer comment est-ce qu'il faut mettre la cam et voici donc la vidéo. Je vais le faire en deux secondes, mais c'est comme ça. Si vous avez des potes qui sont autour de vous, commencez à évangéliser le truc. Parfois, je sais aussi que le chat, il y a des questions qui se posent. Hein, Et les Cronus, hein, tu y as pensé? Oui, tout ce qui est... tous les trucs à l'arrière des manettes, là, c'est autorisé. Là. Je sais plus si c'est Xim ou Cronus, je connais rien. Après, les gars, tout ce qui est... Il y a quand même des trucs qui sont assez visibles quand même. Merci évidemment Griffon, nouvel étudiant du campus. Et en plus, comme on fait ce qu'on veut, parce qu'on n'est pas... C'est pas... voilà, c'est pas... C'est un tournoi de la Salty Academy, organisé par la Salty Academy. Donc, on est un peu... on est un peu comme une boîte de nuit, quoi. On fait un peu ce qu'on veut à l'entrée, en fait. Donc déjà, il y a un truc que nous, on a un fichier blacklist. Donc toutes les personnes qui ont fait leur petit fils de pute ces derniers mois sur Twitter hein, ou sur Discord, eux déjà, il y a des chances qu'on leur dise « Non, franchement, tu pourras pas participer. Pourquoi ?» Bah parce que, en fait, voilà. Et derrière, si on a des doutes par rapport à l'utilisation de quelque chose, on le verra vite. Et ça, c'est la bonne utilisation. Donc, voilà comment est-ce que normalement, si les gens font bien les choses, voilà comment est-ce qu'ils seront samedi. Hein, même si je sais que parfois, c'est compliqué parce que vous aimez bien mettre la manette en dessous le bureau. Vous vous débrouillez. Hein. Je peux, moi ? Ouais, pourquoi tu pourrais pas ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Parce qu'il y a marqué 667 dans ton pseudo. Ça arrive à des gens très bien. Voilà. Donc, c'est comme ça que ce sera fait. Et putain, j'ai l'air d'avoir un peu bu de l'alcool. Et ce sera donc du coup samedi, les amis. Samedi console war. Yo, Valdemar Kiri, avec un téléphone, c'est good. Ouais, absolument. Pas forcément une caméra, autrement c'est horrible. On pourrait pas demander ça. C'est avec le téléphone, quoi. Après, le téléphone, faut pas trop qu'il chauffe, donc faut faire attention. Mais on a un logiciel directement. C'est indiqué dans le FAQ de toute façon. On a un petit protocole à suivre. Et qui permet au final de récupérer pour nous la caméra du téléphone, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc oui, c'est clairement le téléphone. Faut le brancher, en revanche, le téléphone, quoi. Hein. Bonjour, c'était quoi l'annonce, Docteur Bédo, d'où t'es plus sub, toi ? C'était quoi l'annonce ? Ah ben... Les gars... Attendez, je vais le mettre dans le... La console war arrive le 31, vous souhaitez vous inscrire ? Envoie qui est là dans le chat là? Quelqu'un a un contrôle sur la machine? Déjà console war, t'aurais pu me mettre un putain de hashtag, ça sera plus simple, trop du cul, comme ça force tout le monde à utiliser un hashtag. Ok, genre comme ça. Et ensuite envoie directement vers le lien de la vidéo, ce sera plus simple je pense. Ok, j'y avais pas pensé, mais voilà quoi.
Et fais un... Y'a un... Ah oui, c'est bon. Ah oui, y'a Pixel qui est là. Fais plutôt un console war, poulet. Plutôt que point d'exclamation CW, même si c'est cher. Attends, je fais un truc comme ça, ce sera fait pour les personnes qui demandent. Voilà, fais plutôt ça, un truc de genre tout savoir sur la console War, et tu mets le lien vidéo YouTube et puis c'est bon quoi. Même comme ça, bon, parce que je sais que tout est expliqué sur Challenger Mode, mais autant envoyer tout le monde vers le lien vidéo YouTube, à mon avis, qui explique bien. Et après, dans la description YouTube, de toute façon, il y a les liens qui vont bien. Hein. Étant joueur PC maintenant, je ne pourrais pas rejouer sur ma console, même si j'ai le jeu. Quelle infâme chose. Ouais, je peux comprendre. C'est vrai que quand tu t'es habitué au clavier souris, après revenir sur manette, ça va pas être simple. Hein. NES War, R6 en 8 bits. La compétition de l'année. Ce serait incroyable, non? Qu'est-ce que t'en penses? Putain, mais même le mot bit est supprimé sur Twitch, quoi. BITS, c'est con quand même. Hein. On peut s'inscrire maintenant? Il me semble, ouais. On va aller voir ça. Est-ce qu'on peut s'inscrire maintenant, Pixel? Est-ce que tu sais si on peut s'inscrire ou pas? On va aller voir. Hein. Je vais regarder. Si je vais aller voir, si je respecte le truc et si on a bien fait les choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo aussi, les amis. Ça nous aide à la référencer. Si je vais là. Du coup, ça, c'est l'annonce. Gagner 1000 euros de cash et devenir le champion d'Europe des joueurs Xbox. Vous jouez sur Xbox One. Si je clique là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Et là, bam! Une tub. Bah voilà. Participer au tournoi. Je peux cliquer là-dessus. Tout est expliqué. Il faut bien lire. Ça, c'est si je suis sur Xbox. Ça me paraît pas mal. Il y a les maps. Il y a tout, quoi. Et si je joue sur PS5, eh ben, ça marche aussi. Donc, autant envoyer tout le monde directement sur la vidéo. Alors, attendez. Je vais juste faire ça. Désolé, parce que je le fais en même temps en live, mais au moins, comme ça, c'est fait. Tac, tac, tac. Hop là. Hop là, hop là. Hop là. Et je le mets en... Je vais le mettre en commentaire épinglé, comme ça sera fait au moins. Hop là. Allez, comme ça, c'est fait. Je pense que là, il y a 12 000 façons d'accéder au truc. Il y a le commentaire épinglé de la vidéo. Il y a tout, quoi. Hein. J'attends impatient de voir ce que vous préparez pour la suite. Et j'ai que... J'en ai marre, là. J'ai que dans les commentaires, j'ai que des bots de gonzesses à poil, là. Vous avez... Non, enfin c'est chiant quoi. Ça, en revanche, c'est hyper bien fait parce que ça répond vraiment en mode j'attends vraiment impatiemment. Tu sais, c'est parce que ça doit être grosse annonce et voilà quoi. Nous, on voit déjà des inscrits. Perso, j'ai déjà fait la mienne et j'ai vu 12 inscrits sur PS5. Et ben voilà, ça commence. N'hésitez pas, les amis. N'hésitez pas à participer et n'hésitez pas à aller demander aux autres personnes de venir. Parlez-en autour de vous. Taguez les gens. Hein. Plus il y a de personnes et mieux ce sera. Yo, but 35. Salut, ce sera exclu manette ou les CS sont autorisés? Non, les amis, en revanche, les questions, faudra les poser directement sur le au bon endroit. Et ça, si tu regardes la vidéo, Ted, point d'exclamation console war, c'est expliqué dedans. Tu l'as fait du coup, mon cher Pixel? Est-ce que c'est bon, poulet? J'ai pas vu si tu m'avais répondu, j'ai pas vu si tu l'avais fait ou si t'es là. Sur la console War, oui, c'est ouvert. Ok, mais est-ce que t'as mis ce que je t'ai dit? Ta-da-ta, une fois que c'est bon, c'est bon. Un bureau 10 x 60, ça passe pour R6. 100 x 60. 1 mètre sur 60. 1 mètre de
charge. Laisse-moi calculer. J'ai justement un mètre qui me permet de te dire que moi j'ai besoin exactement de 94 cm. En vrai, en LAN, on prend 90 cm par joueur. Un mètre, c'est cool. Donc en largeur, un mètre, c'est OK. Et en fait, un mètre, c'est OK. Hein. Après, tout dépend de comment tu mets ton écran. Quoi. Il va falloir optimiser la place. Quoi. Et 60... Ouais, bah 60, c'est la taille du mien, tu vois. Non, franchement, 1 mètre sur 60, ça va. C'est le strict minimum, quoi. Voilà, quoi. Parce que le combo clavier plus souris, bah, ça prendra tout le machin. 1 mètre de large, c'est OK, quoi. En revanche, sur les 60, faut faire attention au pied de l'écran, quoi. Hein, le top du top étant de mettre un truc qui tient le... Enfin, voilà, quoi. Que, tu vois ce que je veux dire? Qu'il n'y ait pas de pied, quoi. Tu fasses sauter le pied, et voilà. Yo, Six, bien. Même si je suis pas sub, t'es obligé de m'accepter. Bah non, tu te sub, fils de pute. Non mais les gars, je vais pas organiser des trucs pour la gentillesse d'organiser des trucs, en fait, les gars. Moi, le but du jeu, c'est de récolter de l'argent, en fait. C'est de continuer à en vivre, en fait, les gars. Je suis pas fucking Locklear, ok? Les amis. Donc, vous allez pas tous faire « Ah ouais, non mais moi, je vais pas me sub et tout. » Vous allez chercher 3,99€. Et c'est même pas 3,99€, en plus c'est le September en ce moment, donc c'est 3€, d'accord? Ok. Vous allez aller les chercher, vous allez aller gratter maman, ok? Gratter papa. Vous allez travailler, vous allez dire à maman, est-ce que si je fais la vaisselle 3 fois dans la semaine, je suis payé 3€? Et voilà ce que vous allez faire pour les plus jeunes d'entre vous. Hein? Wesh, donne l'argent cousin. Donne l'argent cousin, il y a 1000 balles à se faire. Elisex, elle est là l'argent. Après, vous aimez bien les trucs au mérite. Tu mérites tellement. Bah là, va falloir mériter, hein. Ça s'appelle un tournoi. Donc bon, hein. Mon sub, il est à 5€, moi. Ah, mais t'es pas sub, Eipo, donc à d'autres, hein. Voilà. Et on fait comment quand ta carte est bloquée? Eh ben, on joue pas sur PS5, mec. Quand ta carte, elle est bloquée, on joue pas à Rainbow Six, frérot. D'accord? On revend sa console et on va taffer. Ah, il y a un moment, faut pas faire entrer des ronds dans des carrés, quoi. Hein. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Elisex? Écoute, soudoie quelqu'un ici pour qu'il te paye un subgift. Tu vois? C'était quand même pas dur. Suffisait que tu fasses ta putain de victime et c'était bon. Ma carte est bloquée. Merci pour lui avoir payé ses 6 mois de frais de scolarité. Comme quoi, il y a eu 5 mois où c'était pas trop bloqué. Hein. Aïe, 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 je te jure. Bref, non, mais je plaisante. Mais je plaisante pas vraiment. Il y a une part de premier degré derrière le second degré. Ok? Les gars, si je m'aperçois lundi, samedi et dimanche... que ça génère rien, derrière j'en aurais rien à branler. Hein. Je préférerais faire des teachers sur PC que de me casser les couilles à organiser des trucs de ouf sur console. Quoi. Ce sera la dernière. Ce sera la dernière truc que je ferai sur console. Dernière tentative. Merci Pixel, t'es un monstre. Console. War. La console War arrive le 31 et le 1. Tout savoir sur la console War. Tac, parfait Wazebot. Parfait Wazebot. Parfait Pixel. Hein. Ma carte est bloquée les gars, j'ai besoin d'aide. Asi, arrêtez. Voilà, dès qu'on fait un truc sur console, on récupère les jeunes et les clodos. C'est vrai. Comme quoi, la communauté console, c'est une communauté immature de pauvres. Et c'est pour ça qu'on fera toujours maintenant des trucs sur PC, les gars. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon livreur a volé mon écran. Oh, putain.
Merci Kinao, nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. Un monstre, vraiment. Quand j'ai fini de mettre ma date de naissance, ça me met une erreur comme quoi la demande n'a pas pu être traitée. Parce que t'es pas sub, Slinky. Ouais, t'as vu On va se taper tous les cassos, là. Ah, j'ai mis le mot console. On va se taper tout le gratin dauphinois, là. T'es trop jeune, c'est à partir de 6 voilà, ans. Rien que pour être dans le tournoi. Voilà, merci infiniment, Sanzu, pour les 2 mois de frais de scolarité. Je me suis inscrit au Teachers. Je suis passé sur PC il y a 1 mois et j'ai 2 semaines de méca sur R6. Tu penses que je peux participer? Non, je pense que tu pues la merde. D'autres questions, Nitro? Que veux-tu que je te dise? Let's go. Je sais pas, moi. Je suis passé sur PC il y a 1 mois et j'ai 2 semaines de méca sur R6. Mais j'en ai aucune idée, mec. Si ça se trouve, t'es hyper fort dès le début. Si ça se trouve, t'es Mary. Donc au bout de 6 ans, t'es nul, en fait. Tu vois? On sait jamais, en fait. Voilà. Moi, j'ai le chien qui a enterré la carte. Ouais, d'accord. MDR, t'es un monstre. Peux participer au Teachers avec un écran 900p 60Hz en VGA, PTDR? Non, mais d'où t'as un écran en VGA, mec? Non, mais on n'est plus en 1742, là, frérot. En VGA? Il n'y a même plus de carte graphique en VGA, maintenant. Du coup, t'es obligé d'avoir un adaptateur DVI-VGA, voire même HDMI-VGA, quoi. Quand même... Voilà. Je suis riche. Il y aura un handcam. Bonjour déjà, mon cher Rises667. Et il y aura un handcam, point d'exclamation, console war, tu verras. Tout est dessus. Bref, hey, en parlant d'écran, juste un truc. Parce que c'est vrai qu'on en parle parfois. Mais je sais pas si vous connaissez D-Labs. Bah, je suis pas sponsorisé par eux, mais je vous en avais parlé au début où personne connaissait D-Labs. Maintenant, tout le monde connaît parce que sur Twitter, ils sont... Voilà quoi. Mais au tout début. Et juste pour vous dire, parce que j'y pensais hier, je me suis dit, tiens, je devrais l'envoyer. J'ai vu qu'il y avait un écran 360 Hz à moins de 200€ en ce moment. Ou 240 Hz, pardon. 240 ou 360? Un AOC à moins de 200€. Je sais pas ce que ça vaut, mais moins de 200 balles, c'est quand même pas mal, quoi. Hein. Mais non, Axe Dinx, hashtag console war et le YouTube et la vidéo que tu viens de mettre. Remplace New Concept par console war. Jure. Non, sérieusement. Vous vous foutez de ma gueule en disant jure ou pas? Non, sérieux. D-Labs. Attendez. D-Labs. J'ai vu ça, donc je pense à vous de temps en temps. Les pauvres. Écran AOC. Je crois que c'était écran AOC. C'était AOC, non? Ah, c'était pas AOC. Ah, je sais plus. Putain, je l'ai vu hier soir. Ouais, non, Lenovo. Lenovo. 190€. Il y a ça en ce moment-là. Ah, je sais pas ce que ça vaut. Attends, j'espère qu'il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas des boobs qui apparaissent. C'est sur Amazon Allemagne.de. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais bon, sur le papier, voilà quoi. La dalle, c'est de la daube. Ah, tu connais Unim, t'avais regardé hier. C'est de la merde, l'IPS? Ou pas? Mec, en même temps, 190€, non? Non, mais on s'en fout de la marque, les mecs. Arrête. Vous me faites marrer avec la marque, alors que si ça se trouve, c'est fait dans le même entrepôt en Chine, quoi. Parlons de technicité plutôt que de marketing, les amis, si vous le voulez bien, parce qu'on va pas s'en sortir autrement. Lenovo, AOC, on s'en bat les couilles. AOC, ils font des super écrans, faut pas croire. Du coup, faut pas de IPS? Ouais, j'ai regardé. J'ai pris un écran 280Hz à 180€. IPS, pour son prix, c'est plutôt bien. Dalle VA for the win. Ah bon? Il vaut mieux un VA qu'un IPS? J'ai quoi, moi? Moi, j'ai un Asus PG, je sais pas combien, là, le 240Hz, ouais, j'y connais rien. Hein. Lenovo, c'est pas si mal, quand même. Bon, on s'en fout, les mecs. Arrêtez avec la marque, les gars. On s'en fout. Je sais pas. En tout cas, j'ai vu ça hier. Et je me suis dit... il faudrait peut-être que... Parfois, je devrais le mettre sur Discord. Parce qu'il y a quand même des bons deals. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens parfois qui se demandent « Eh merde, j'ai pas un rond et j'aimerais bien un bon écran, quoi. » Et voir un écran... Depuis quelques temps, on voyait des 144 à moins de 100€. C'était souvent du MSI, je sais pas ce que ça donne. Hein, voilà. Mais c'était la première fois que je voyais un 240 à moins de 200€ et je trouvais ça pas mal. Voilà.
Des fois, il y a des deals de ouf. Ouais, il y a très souvent des deals de assez incroyables. Merci ATZ No Cryos pour les 2 mois de frais de scolarité. Merci Sanzu pour les 2 mois. Vous êtes des monstres, les amis. Merci Kinao, nouvel étudiant. Du coup, il est 17h52. Est-ce que le Teachers est prêt? Yo Six, quelles sont les conditions pour le Teachers? 1. Être étudiant. 2. Je sais pas, c'est pas moi qui décide. Faut le voir sur le Discord, les amis. Le principal argument, c'est que la dalle VA est plus réactive que l'IPS. Sauf qu'aujourd'hui, l'IPS est tout autant réactif. Ah bon? Moi, j'en ai aucune idée, le mec. Franchement, je sais pas. J'avoue que moi, je dépense pas beaucoup d'argent. J'achète pas grand-chose. Donc, en règle générale, quand je change un truc, c'est qu'il est pété. Et quand je le change, souvent, je veux pas trop me prendre la tête. Et je me renseigne vite fait, alors qu'avant, je me renseignais énormément. Mais maintenant, bon, j'utilise l'argent de la boîte. Donc, je me dis, bon... bah les couilles, je vais prendre le meilleur truc, quoi. Donc je vais prendre un Asus 240. Je sais qu'il y a peu de chances que ce soit de la merde, quoi, tu vois. La tour, si je prends une Corsair, je sais que c'est... Voilà, quoi. Je sais que si je prends le meilleur des processeurs Intel, il y a quand même peu de chances que ce soit de la merde, quoi. Après, est-ce que c'est overkill? Possible. Est-ce qu'il y a mieux ailleurs? Possible. Très probablement possible. Mais il y a un moment, j'ai pas que ça à foutre, en fait. Autrement, j'y vais jamais. Il prépare la première game. Ok, donc c'est pas encore prêt. D'accord. Bon, écoutez, je vais jouer encore un peu et puis voilà. En attendant, je compte sur vous les amis, parlez-en autour de vous de la console War, parlez-en à des gens qui peuvent en parler autour d'eux aussi, hein, voilà, n'hésitez pas à aller voir des, ce qu'on peut appeler communément des micro-influenceurs, hein. C'est des personnes qui peuvent avoir 50 followers, 100 followers, 200 followers, parfois les personnes qui ont 100 followers, 200 followers parlent mieux à leur communauté que des personnes comme moi ou ceux qui ont des millions qui pour le coup, ne touchent plus vraiment leur communauté sur la capacité à influencer. Hein, tu as 10-15 minutes. Ok, bon bah, let's go, je vais jouer. Merci Yoni Barbin, nouvel étudiant du campus de la SA. Vous êtes des monstres, les amis. Je me suis inscrit en disant que je n'étais pas sub, mais maintenant, c'est le cas. Mais ça ne me met pas la possibilité de changer cela. Faut contacter un admin. Ouais, bah... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune question qui doit être posée dans ce chat, No Cryos. Voilà. Tu fais un ticket, admin, et en avant. 45 subs, les mecs, pour une deuxième game de Teachers. Et Pook est en mode... Allez les gars, il n'est pas sub. Lui-même. Le meilleur moyen, les amis, de provoquer quelque chose, c'est déjà de montrer l'exemple. Qu'en pensez-vous? Il a un subprime en plus, tu vois. You will receive a boost in Alpha Pack Drop and as well as being highlighted for your next match. Thank you for being a positive influence in Rainbow Six Siege. Voilà, je le savais. Ubi me reconnaît, les amis. T'as déjà testé Grand Branch? Samy, est-ce que j'ai déjà testé moi Grand Branch? J'ai pas testé Grand Branch, j'ai fini Grand Branch. J'adore Grand Branch. Je joue pas à énormément de jeux, donc voilà quoi. Oh d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une vidéo qui va sortir sur Arma. Voilà, c'est un peu différent. Dans les choses différentes, il y a une vidéo qui sort en Airsoft qui va sortir aussi bientôt, mais ça vous vous en battez les couilles. Enfin bon, bref quoi. Et donc la vidéo sur Arma, si vous lâchez des commentaires et des likes, on va pas se mentir que ça... Ça me motiverait pareil à faire un truc sur Arma, quoi. On a un truc qui est là, il y a Pixel qui est dans le chat. Il a un truc qui est tout prêt. J'ai un serveur qui est prêt, qui est dans la pièce à côté. On peut lancer un truc assez incroyable sur Arma, mais c'est le temps passé implication, retour sur investissement qui me fait un peu chier, quoi. Hein. Gratte-moi le ciel. Ok. J'y ai déjà joué, il est trop cool. De même pour Arma. Merci infiniment, Noix de Coco, d'avoir offert la possibilité à The YNC de payer leur droit de scolarité au sein du campus. Merci Yoni Barbien, nouvel étudiant. Vous êtes des monstres. Je me suis inscrit, mais ça me met demande en attente, Pixel Arma. Les amis, tout ce qui est de l'administration du tournoi, n'hésitez pas à directement le voir sur... le site Challenger Mode si vous avez des questions. Je le dis dans la vidéo, ne posez pas les questions au mauvais endroit. Le chat Twitch, c'est le mauvais endroit. Pourquoi? Parce que vous voyez 6-4 et vous voyez les modérateurs et vous vous dites « Ok, ils peuvent répondre ». Mais le truc, c'est que les modérateurs Twitch ne sont pas du tout
Les personnes qui sont au pôle event de la Salty Academy. Voilà. J'insiste là-dessus. Donc tous les admins, si vous regardez bien sur Challenger, vous avez le nom des admins et c'est pas forcément les admins qui sont ici ou que vous voyez ici. Chacun a un rôle. Et voilà. Vas-y, je vais jouer ça. Yo, aussi que je suis en retard, c'est quoi la grosse annonce? Point d'exclamation, console war, poulet. Merci, petite binouze, pour le fait d'être un nouvel étudiant. Un monstre, poulet. Point d'exclamation, console war. Alright. TKT, il y aura des fans pour Arma. Des fans ou un fan, Samy? N'empêche, la vidéo m'a donné envie d'y rejouer, quoi. D'ailleurs, je suis désolé, Pixel, c'est vrai que je réponds pas et tout, mais il y a tellement de choses en ce moment que voilà, on peut pas tout faire. On peut participer au T-Chess sur Rainbow Six Mobile. Suprada, t'es sérieux là? Sur Rainbow Six Mobile? Mec, nous on l'a même pas Rainbow Six Mobile en France, donc bon. Tu dois être québécois pour l'avoir, non? Pixel, je sais pas qui est-ce qui a épinglé le truc nouveau concept. Il faut pas mettre nouveau concept, faut faire hashtag console war. One on ping, guys. One on ping. Left side, left. Nice. Thank you. I love you. You're welcome. I love you too. Oh non! Oh, ça brûle! Il est trop bien ce jeu quand même. Sibio, merci. Comment ça va, poulet? 3 ans après, ça t'intéresse toujours pour le système de vote pour le Teachers? What the fuck? Attends, j'ai pas vu, poulet. Aux autres couleurs de la Salty. Ça fait partie des trucs. C'est pas du. Tu vois ce que je veux dire? C'est. J'arrive à faire 100, quoi. Mais je comprends le truc, mais. Ce serait mieux, Sib, mais ça sert à rien de développer un truc. Ça sert à rien de développer un truc, quoi. Il y a trop d'encours. Il y a quasiment 8 projets, là. Pour certains que je repousse depuis 2 ans. Et je peux pas, quoi. J'ai déjà fait depuis 3 ans, poulet. T'as juste jamais pris le temps, MDR. Mais non, c'est vrai, j'ai jamais pris le temps. C'est vrai, hein. Mais le truc, c'est que des teachers, on en fait pas non plus souvent. Donc voilà, quoi. Là, le truc, il est relativement disponible, le site sur lequel je vais. Ah, il a mis un cassable, le fils de. Donc ça va, en fait. Gio, t'es là dans le chat? Gio? T'es dans le chat ou pas? La fameuse technique. Que j'ai inventé, hein. Ni coconut bras, ni je sais pas qui là.
fait quoi lui? Fait peur lui. Je sais pas comment le one tap passe pas la première fois même. Bon, Geo il est parti. Mais visiblement ils ont nerfé le bug. Tout savoir sur la console war. Non les amis, j'ai dit tout savoir sur la console war. Une seule machin. Un seul lien et c'est la vidéo YouTube. Ça ira très bien. Merci Polo Mood pour les 14 mois de frais de scolarité. Merci Driz d'avoir offert à Sib ces 15 bonjour, mois de frais de scolarité. Non mais on pourrait travailler, n'empêche Sib, si on devait faire un truc, le serveur Arba qui est fait par Pixel, ça pourrait être une idée, n'empêche. Mais je sais pas, faudra voir. Tout dépend de plein de choses. Je pense que s'il y a des choses qui doivent se passer sur autre chose que du Rainbow Six, ce sera surtout sur les mois de novembre et de décembre, qui sont des mois où en règle générale Rainbow Six, c'est un peu la période d'hibernation, c'est un peu logique. Donc c'est là où il y a moins de trucs. Mais frère, je te le laisse, mais bon... à droite. Là, je l'entends à gauche. Là il est passé. Ah sur l'explosion. Bon, je fais n'importe quoi. On verra du coup s'il y a d'autres trucs. Mais je promets rien parce que si je promets des trucs je les fais. Et là je promets rien. J'ai pas de serveur flemme MDR. Ouais tu m'étonnes. Je peux comprendre. Bon c'est vraiment pour me chauffer hein. Tellement pas joué depuis toute la semaine dernière avec Payday. En fait j'aurais bien fini Payday mais... He's still outside. Il va pas l'avoir. Ah si. Teachers prêt? Non. Je sais pas, Hippo, pourquoi tu participes? Parce que si tu participes toi, va falloir que tu te subs déjà. Ah, merci Pixel. Et donc, point d'exclamation... console war et juste ça envoie vers la vidéo YouTube et c'est tout. Si tu es prêt, ok. Je termine une dernière vidéo, une dernière machine et on y va. Dernière petite game, on est parti. C'est dans les projets, un tournoi 5v5 sur console. Je participe pas, je suis en Thaïlande. Ah ouais, ça fait chier ça. C'est loin la Thaïlande. I give you valor. You're valorous. Voilà, juste les sucer. Very valorous. Yo Tagaz, t'es où en Thaïlande? J'ai envie de retourner en Thaïlande. J'ai envie de vivre en Thaïlande. Ah, une petite game, mais vous inquiétez pas, vite fait, et après on est parti. C'est vraiment bien là-bas. De quoi? La Thaïlande? C'est incroyable la Thaïlande. C'est amazing la Thaïlande.
trop touristique la Thaïlande. Ouais, bon après si t'aimes pas, tu sais, après t'as Laos juste à côté, c'est moins touristique. Bon, le Cambodge c'est un peu pourri quand même. Vietnam aussi, moins touristique quoi. Arrête, trop touristique la Thaïlande, ça dépend. Si tu vas à l'est, ça va, hein, c'est pas non plus voilà quoi. Après, c'est sûr que si tu vas à Phuket et à Pita, bah, machin là, truc des putes là, hein, je sais plus comment ça s'appelle. C'est quoi le truc avec les prostituées là? J'allais dire Pitaya, mais c'est là où je prends mes pas de taille, donc ça va pas. Pattaya. Pattaya, ça va être Pattaya. Pattaya, c'est ça. Pitaya. Oh fuck. Petite chasse durera jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce qu'il soit fini, parce qu'on a toujours pas débloqué le sub goal à cause de toi, Rof. Merde alors. Allez, en avant. Merci encore Polo Mout pour les 14 mois de frais scolarité, un monstre. Ah, Thaïlande, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. C'est vraiment bien. C'est hyper joli. La bouffe est incroyable. C'est frais. Les gens sont cool. Pas de violence. Franchement, c'est bien. Après, bah, faudra voir ce que ça donne les 6 mois de l'année où il fait pas beau, quoi. Mais bon. Des ping-pong show, bien évidemment. Be careful, Captain, with my white stuff. Or in the room. No, he's upstairs in the room above. He's hallway, broke hallway. Yeah, air can's above too. Je mange trop bien là-bas. Bah, tu m'étonnes. Your lobby's looking clear. Petite patte taille à H24 là. Pop, pop, pop. Il y a des gangs de singes là-bas, non? Lobbury? C'est Lobbury, non? Kanchanaburi? Peut-être Lobbury, le truc avec les singes là. T'as déjà goûté le durian? Jamais. J'ai jamais goûté, j'ai jamais senti l'odeur, voilà quoi. Chelou. Au Sri Lanka, j'ai failli me faire tuer par un gang de singes. Ils étaient une trentaine. T'es sérieux? Je pense qu'ils voulaient s'accoupler, moi, je pense. T'aurais dû te laisser faire, colonel. Gang de singes. Ouais, y a des endroits, y a des moments où tu te sens pas... à Lobbury, là, tu te sens pas... Au début, tu y vas, tu fais ah, c'est marrant parce que t'es en mode Wistiti machin. Après, tu vois la gueule des dents. Tu fais ouais, bon. Tu vois la gueule des trucs, ils sont un peu. Ils ont tous fait la guerre et tout. Il leur manque une patte, un œil et tout. On dirait les pigeons de Paris. Tu fais ouais, franchement, c'est pas ouf. Tu restes pas, tu restes une journée, tu te casses quoi. Merci Astico pour les 4 mois, t'es un monstre poulet. En vrai, comme mode, c'est cool avec les temples d'Angkor. Oui, Angkor Wat, c'est sympa, tu vois. Mais Siem Reap, déjà, t'as rien à y faire. C'est quoi le nom avec un... Il y a un jeu de mots dans le bar, là. Le bar de Siem Reap, dans l'allée principale, là. Dans l'avenue principale. C'est pas Angkor Wat, mais W-A-T. Angkor What the fuck, ou un truc comme ça, je sais plus. Ah, je sais plus. Mais c'est assez connu. Je crois que c'est Angkor Wat. C'était... Hier, un singe m'a attaqué pour sur mon jet ski. T'as peur, les dents, c'est bien trop long, bien pointu. Franchement... Les singes là-bas, ils sont fat en plus. Et les dents, elles sont incroyables. One on me, low HP.
kill one upstairs. Maybe one main stairs. I don't know actually. Il est parti, fils de pute. Yeah, book right here. I'm a flagbird right there, I mean. Ah, that was him. Bon, on fait vite ça et je me casse. Merci SPT Bears de t'être fait offerte et... Non, en fait c'est ta gaz. Il est top green, top green. Ok, c'est green. J'ai voulu leur jeter de la nourriture, mais eux ont cru que leur balancer des trucs pour les agresser. Ils sont venus pour sur moi me montrer leurs dents. Je me suis barré direct. J'étais le seul humain avec eux. En plus, je suis parti retrouver ma famille une rue plus loin. C'était des petits singes beiges de 40-50 cm. Ouais, je vois bien, je vois bien. Quel bon de fils de pute. Une fois, c'était là où j'ai eu le plus peur. C'était pas pour moi. C'était pour la GoPro. Et c'était... Ah, c'était en Thaïlande et j'étais parti faire une rando tout seul en pleine jungle. Je me faisais chier et j'avais poussé assez loin. C'est une rando où normalement tu dois revenir au bout d'un moment parce que autrement tu peux pas passer la nuit là-bas quoi. Et c'est pas une boucle, donc c'était un peu chiant. Puis j'étais pas très expérimenté. Il y avait des puis c'était la bonne grosse jungle quoi. Quand je suis revenu à un moment, j'en ai déjà parlé je crois une fois. Et à un moment je me dis tiens, elle était pas là cette branche. C'était pas du tout une branche, c'était un énorme serpent, énorme, qui prenait toute la route. Donc constricteur, donc ça fait moins peur que les petites merdes de cobra ou de conneries comme ça là. Mais tu sais bien que quand plus ils sont gros, plus la plupart du temps ils sont pas venimeux quoi. Mais bon bref. Et donc il y a eu un moment où j'arrive à une waterfall là, une chute d'eau. Et il y avait de la flotte et je me baigne dans l'eau. D'ailleurs la vidéo est toujours sur YouTube je crois. Je me baigne dans la flotte. Et je fais la vidéo du coup. De moi qui me baigne dans la flotte. Et il y a un singe qui arrive et qui prend la caméra. Et donc j'ai juste le temps d'aller vers lui. Et il se barre pas avec la caméra. Il l'a fait tomber un petit peu plus tard quoi. Enfin genre 2 mètres après quoi. Il a eu peur et machin. Et ça ils le font souvent quoi. Ils te volent tes cams. Et après bah t'es comme un con en fait quoi. Là tu fais c'est trop drôle. Le singe il a pris la caméra. Ah le fils de pute ça coûte 600 balles en fait. Donc bon voilà. Yo, je viens de voir la vidéo Ubisoft, me retire mon pendentif, très courageux. Merci Apta, merci beaucoup. Ils volent, ouais ils volent. Mais j'avais vu des gars qui dressaient des singes pour justement voler les portefeuilles et des trucs comme ça quoi. J'ai eu de la chance, je me suis rien fait voler moi. Ouais. Yo Baril, comment ça va poulet? On a failli me voler mon téléphone là hier. Oh la Thaïlande c'est safe quand même. Après sauf les endroits touristiques. Moi j'ai été... Yeah, there was IQ like up here, I think. Yo, like, I have diffuser. No, it's not. On my by the roof, not sure. Have I seen? Elle était pas là? Si. Ok, bon. Allez, let's go. On va passer là et on va aller. Bon, déjà que la musique, je l'ai coupée. Allez. Si en plus, on. J'ai fait quitter le jeu? Non. Merci infiniment, Rof, d'avoir offert la possibilité à Bip Bip, c'est 2 mois de frais de scolarité. Merci de lui avoir payé ses droits. Et merci Ezimax pour les 17 mois, vous êtes des monstres. Chelou, non? J'ai pas coupé le jeu? Si? Bah peut-être. Plus en fait. Petit que 3. Ok. Bon, let's go.
Let's go et en avant pour le site chasse. Alors attends, je vais me mettre là et on va y aller. Premier petit chasse en direct, je suis content. Ah. Est-ce qu'il n'y en aura qu'un seul ce soir ou est-ce qu'il y en aura plusieurs? 1866, on en a 44 subs pour en avoir un deuxième. Ok. Et on va passer là. Si quelqu'un veut venir dans mes oreilles pour me dire ce qui se passe, on y va. 34 plutôt. 1866, 34, autant pour moi. Oui, effectivement. Autant pour moi, 34. Sub. Oui, bon, ça va, ça m'arrive. Mais si vous faites 44, c'est mieux, comme ça on est sûr et certain, tu vois. Bonjour. Salut, salut. Ça va? C'est Yo du nouveau. Ok, c'était qui? Je suis dans l'event. Ok, et c'est quoi ton prénom? C'est Yoni, du coup. Ton prénom, c'est Yoni? Ouais. Attends deux secondes. Chartreuse qui vient de faire 34 droits de scolarité d'un coup pour avoir le deuxième sub pour avoir le sub goal du deuxième petit chasse. Lol, il l'a one shot, le fils de pute. Merci Chartreuse d'avoir offert la possibilité, tu me permets Yoni? Ouais, y'a pas de soucis. Ok. Merci d'avoir offert la possibilité à Losax, Kinou, Zakix, Lenka, Tracteur, Posné, Soro de VW, Le Monstre pour Paxumuk, Resfa, Persante, Tobbs, Abusweed, Banksy, Ryoshu, Le Gros Riton, Elsios, Gaswaf, Idan, Eltimot, Cineol, Guitar Space, Le Penis, Hugo La Fougère, Maltok69, Skrillex, Anto, The Footix, Vance Wack, Kito le Rigolo, Oliesh d'Or, Pile, Rope le Retour, What the fuck, Psyker, Smoke Easy, Toonie et Sanjo se font tous payer leurs droits de scolarité grâce à la putain de générosité de notre cher et tendre Chartreuse qui a été très généreux ces derniers temps. Donc envoyez plein de GG, plein de cœurs. Faites péter les GG et les cœurs s'il vous plaît pour Chartreuse, le monstre. Commencez à nouveau les objectifs. Vas-y hein. Troisième game de Teachers. Le truc va se transformer en ce bâton du Teachers. Hein. Hein, vas-y, je vais pas le faire le fils de pute à le mettre à... Je mets à 1950. Ok, les monstres. Eh, c'est reparti. Vas-y, Chartreuse, tu veux une troisième game? Il est pour toi. T'avais failli me faire prendre encore un one-tap, là. Hein, le monstre, envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît, pour lui. Du coup, en avant, parce qu'il y a du pain sur la planche, vu qu'il y a déjà deux games à faire. Oui, mon cher Yoni. Mais Yoni, c'est ton prénom? Ouais, c'est mon prénom, ouais. Non, mais sérieusement. Non, non, vraiment, c'est pas des conneries, hein. C'est pas des conneries, c'est hébreu. C'est hébreu? Ouais. Genre t'es juif? Non, non, pas du tout. Non, je suis français, hein, pure souche. Mais tu peux être français et juif? Ouais, mais non, je suis... j'ai pas de religion non plus. Hein. T'as pas du tout de religion? Non. Et t'as quel âge, Yoni? J'ai 21 ans, là. Mais tes parents, ils ont un lien avec Jérusalem? Pas du tout, ils sont chrétiens. Ils sont... Mais ils peuvent avoir un lien avec Jérusalem et être chrétiens. Il y a quand même un lien avec Jérusalem et la chrétienté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai, il y a trois religions là-bas aussi. C'est vrai. J'adore foutre les gens dans la merde. Donc du coup, t'es nouveau ici? Ouais, tout à fait. Et t'as quel âge, Yoni? 21 ans, ouais. Ok, 21 ans. Et pourquoi tes parents t'ont appelé avec un prénom hébreu? Bah alors l'histoire, à ce qui paraît, ça serait mon père en mission qui aurait donné le même prénom avec un de ses collègues à l'armée, donc c'est ça l'histoire. Quoi? Attends, on n'a rien compris. Répète. En,
En gros, il était en mission, alors je crois que c'était en Afghanistan, et donc avec son collègue, il a donné le même prénom à son fils. Ils avaient une portée tous les deux, et donc du coup, voilà. Une portée? Enfin... Ta mère a fait une portée? En fait, voilà, bah, c'est un vrai plan, ouais. Ok, ah ouais, non mais écoute, non mais, une portée, ok, bon, what, attends, pourquoi ça a lancé? Attends, bouge pas, il y a un truc qui s'est passé derrière. Ah non, c'est juste que je suis extrêmement positif et j'ai une influence positive dans la communauté gaming. Non mais j'aime bien me foutre de ta gueule et mettre les nouveaux très mal à l'aise, sachant que mon prénom c'est Benjamin et que ça vient de Benjamin, qui est hébreu aussi et qui veut dire le fils préféré. J'en avais déjà parlé, ce qui me fait marrer parce qu'il y a un Benjamin qui est juste en dessous, voilà quoi. Et moi non plus, il n'y okay. a pas de lien avec, avec la Terre promise, ou pas. L'autre Yoni okay. de la portée est juif. L'autre Yoni de la portée est juif. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je sais que vous allez déraper, la bande de fils de pute. Vous arrêtez tout de suite, ok. Bon, Yoni, tu fais quoi dans la vie? Bah là, actuellement, je suis à la recherche d'un emploi. Là, je vais faire une formation chauffeur poids lourd, là. Tu vas faire une formation chauffeur poids lourd et t'habites où? Là, je suis dans le sud, dans la à Béziers. Ok. Et tu vas devenir chauffeur poids lourd là, dans du transport international ou dans du... Non, régional. Ok, ici dans le chat, il y a mon meilleur ami, ok. Et il s'appelle Oni Gaming. Ok. Et il a fait 15 ans en tant que chauffeur de poids lourd. Tu voudras lui parler ou pas? Il a mis un mot dans le chat, il a juste mis l'erreur. L'erreur. Non, okay. Moi j'aime bien conduire après. Non mais attends, il y a deux questions. Il y a la bonne façon et la mauvaise façon d'être chauffeur de poids lourd. Est-ce que t'aimes les camions et est-ce que t'adores conduire? Ah ça oui, non, ouais, vraiment ça j'adore. Hein. Ouais. Ok, tu joues à Euro Truck Simulator? J'y ai joué pendant un moment, j'ai mis à peu près 200 heures dessus. Ouais. Ok, donc t'es vraiment un fan de camions? Peut-être pas un fan, mais ouais, j'aime bien. J'aime okay. bien de toute façon ce qui est à base de moteur. Oni, par rapport à ce que tu m'as dit, et t'es 15 ans, on est d'accord qu'il rentre dans le... Il rentre dans le comment dire, le... Il rentre dans le moule des personnes qui justement vont aimer leur boulot. Ouais, s'il aime ça, c'est ok. Ouais, voilà. Parce que Oni n'a jamais aimé son boulot, mais il lui a fallu 15 ans pour en sortir. Et il a dit que, et je me souviens parce que c'est pour ça, bon, je plaisante tout le temps, mais voilà, on en a beaucoup parlé de quand il était routier, parce que maintenant il est développeur. Et on en a ouais. beaucoup parlé du fait qu'il était routier. Cet été pendant nos longues balades et donc du coup il y a un moment où je lui ai dit mais pourquoi t'as fait ça et est-ce que c'est pas chiant d'être routier quoi, de jamais être chez toi machin, et au final il me disait que toutes les personnes qui sont restées routiers etc c'est souvent des personnes qui sont quand même fans de ça en fait quoi, qui sont souvent fans des camions, qui adorent booster leurs camions, qui sont vraiment fans de pas que de la conduite mais aussi des camions quoi. Voilà. Ouais c'est ça ouais ouais. Après, c'est pour ça que je préfère faire du régional, au moins, parce que t'as plusieurs façons. Hein. Tu peux partir la semaine, partir aussi la journée, quoi. Et je préfère partir commencer sur la journée, et ouais, si ça me plaît vraiment, partir à la semaine, quoi. Du coup, si j'ai 200 heures sur Flight Simulator, est-ce que je suis un pilote de ligne, pour autant? En soi, il y a beaucoup de mecs qui sont sur Flight Simulator et DCS qui, s'ils sont passionnés par ça, après, tu les vois passer ce qui s'appelait le BSA à l'époque, quoi. Brevet de... Enfin, je sais pas. Non, pas le BSA, pardon. Un truc comme ça, BFA, BAF, je sais pas comment... Ça doit avoir un autre nom maintenant. Mais c'était brevet de machin aéronautique, je crois. Et tu peux après conduire des petits coucous, quoi, tu vois. Ouais, tu vas pas conduire un Airbus, tu vois, mais bon. Voilà. Hein. Ok, bon, Yoni, du coup, est-ce que les gens sont prêts? Donc t'as rejoint les fans de la Salty ouais. Academy depuis quand? Bah là j'ai rejoint il y a une semaine là, c'est mon baptême là. Ok, bon tu m'as l'air d'avoir la tête sur les épaules. Parfait, t'as une moto? Ouais j'en avais trois pendant un moment là, j'en ai plus qu'une. D'accord. Bon bah garde la tête sur les épaules hein, quand même. du coup, bah c'est parti, qu'est-ce que je dois faire, dis-moi. Alors du coup pour la première équipe, donc l'équipe bleue, donc j'ai en capitaine Route, donc R00T avec deux petits points. Ouais attends deux secondes, je vais faire Create Online, je vais faire Pro League, bien évidemment sur les serveurs West Europe, en Spectator. Moi j'ai construit une fusée de Minecraft, je travaille désormais chez SpaceX.
Niquez-vous, arrêtez d'être des blaireaux. Ok. N'empêche, moi je joue à Rainbow Six. J'ai toujours rêvé d'être au GIGN. Il doit y avoir un lien. Hein. Il doit y avoir un lien, tu vois. Et du coup, quand tu joues à GTA, est-ce que tu penses que t'as... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu penses que dans ton but dans la vie, c'est d'aller voir des prostituées et de vendre de la coke? Bah, tu deviens routier. T'as toujours voulu être un gangster. Ok, attends, bouge pas. Donc, j'invite Kroot. Route, ouais. R00T, deux points. 1, 2, 3. Ok, c'est fait. Et ensuite, pour l'équipe orange, j'ai Freak, donc F-R-E-E-C-S-3-1. Ah, c'est pour ça qu'il a payé des droits de scolarité. Il voulait qu'il y en ait... F... Attends, vas-y, redis-moi, pardon. Alors, c'est F-R-E-E-C-S-3-1. Ouais, c'est l'inverse de sur Twitch. Ok. Merci, wow. Charms, pour les 1€. Money for the Salty Academy. Dommage. Donc ça, c'est bon. Ensuite, j'invite les gens, parce que je suis débile. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que je me souviens plus comment on fait. Kroot, elle est invitée, et FRECS31, il est invité aussi. Ok. Les amis, on va tester. Après, on va déjà décider quelle est la map sur laquelle nous allons partir. Ok. Nous allons donc voir ça tout de suite. Je vais avoir besoin de vous. Le temps que les gens se connectent. Quelle map nous avons... Attendez. Ah, fait chier. J'ai peut-être pas les nouvelles maps. Quelles sont... Parce que je pense que Border n'y est plus. Oh fuck, j'aurais dû regarder tout à l'heure. Est-ce que je prends 5 minutes pour faire les choses convenablement? Parce que ça prendra 5 minutes pour refaire le truc. Ou alors est-ce qu'on s'en bat les couilles? Ah, j'ai envie de faire les choses convenablement. Je vous réinvite, les noobs. J'ai envie de faire les choses convenablement. Désolé, mais au moins comme ça j'y pense et comme ça on le fait. Est-ce que quelqu'un a la liste des maps officielles sur la dernière rotation? Voilà, je vais avoir... Bon, non, bah 2 minutes du coup, puisqu'on a passé 3 minutes. Donc ça va aller, ça va, c'est pas trop horrible. On va faire ça, et on va faire surtout... Edit playlist. Et en avant. En moins villa, et plus consulat et labo. Labs, consulat, à la place de villa et thème. Ah! Labs, t'es sûr et certain, c'est labs et consulat. Border y est toujours. C'est labs et consulat à la place de villa et thème. Labs et consulat. Ok. Donc ça nous donne, je vais les apprendre du coup. Oregon, clubhouse, café, chalet, border, skyscraper, labs, consulat. Et banque. Villa et thème out. Labs consulat in. Ok. Ok. Bah écoutez, c'était très bien qu'on fasse ça. Ça me permet de m'update là-dessus. Et c'est cool. Ça permettra d'avoir d'autres choses. Donc du coup, on a Oregon. On a le Night Haven Labs. On a consulat. Comme ça, je les oublie pas. On a banque, on a skyscraper, on a chalet, on a clubhouse, on a café. Et donc, il doit y en avoir toujours 9, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il m'en manque une. Si je suis pas trop con. Chalet, je l'ai mis. Café, je l'ai mis. Il me manque quoi, les amis?
Qu'est-ce qui me manque? Border, j'ai mis. Ah non. Ah non, j'ai pas mis border. Ok, bien vu. Ok. Ok, donc c'est bon. En avant les amis, vous pouvez voter pour la map que vous voulez voir. C'est au-dessus de ma tête et vous tapez soit le nom de la map telle qu'elle est inscrite, soit vous tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Tout simplement. Yo le Guise, comment ça, poulet bien ou quoi? Allez les amis, dépêchez-vous dans le chat, tout le monde vote là. Balancez-moi les fucking résultats, j'ai pas envie qu'il y ait 7 votes là de merde là. Vous tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 en sachant que du coup les nouvelles sont Night Haven Labs et Consulat. Voilà, qu'on a jamais vu en Teachers. À proprement parler, vous voyez ce que je veux dire. Hein? Laissez Oregon pour la troisième game. Il n'y aura pas de troisième game, Miko. Tu payes pas tes subs. À cause de toi, il n'y en aura pas, Miko. Il manque combien de subs? 1049. Pour venir en custom avec toi, Six, il faut des prérequis. Pour venir en custom? Là, le Teachers, là? Point d'exclamation Discord. Je suis fauché, désolé. Non, t'inquiète, t'as gaz. Merci pour tout, poulet. Arrêtez avec Oregon, les gars, on a mangé de trop. Six, je gagne pas d'argent chaque mois, sorry. Eh ben, tu fais comme nous, mec. Tu suces des bites. Ah, les gars, il y a un moment, bon, vous êtes tous là. Ouais, pourquoi tu te mets pas sur OnlyFans? Pourquoi tu te mets pas sur OnlyFans? Bah, moi, je vous le dis, les gars, sucez des queues, hein, franchement, faites pas chier. Hein. Oh, bonne idée. Oh, j'y avais jamais pensé. Incroyable, merci. Aïe, 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 aïe. Le Guise, il a envie de voir une troisième game. Bien évidemment, les personnes qui font des dons, hein, comme des mecs comme Chartrus, qui a été extrêmement généreux, Le Guise ou Tagaz, par exemple. Bien évidemment, je vous fais confiance. Yoni, je te fais confiance si t'es toujours là. Pour les faire passer en tête s'ils veulent participer. Hein. Les plus gros... Ouais, y a pas de soucis. Ouais, 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 forcément. Merci du coup, Le Guise, d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de payer leur droit de scolarité pour Super Knacky, Vitality, X-Sag, pareil pour Panda par exemple. Vous êtes des monstres, les amis. Merci pour tout, vraiment, ça me touche énormément. Merci pour X-Sag, pour Soulix, pour Chalutki, pour Ilo, pour Sky Lunatic, Touftif, JLCore et Achille se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de Le Guise. L'un des plus gros contributeurs du campus, les amis, envoyez-lui plein de GG, plein de cœur. Merci Tagas92 d'avoir offert la possibilité à Unito, Karlan, MacGen, Arawin, Lutin Loyal, Kojizuka, Warfare, Wostutur, Lutzoy et Joe Wick leur droit de scolarité. Ça, c'est Tagas underscore underscore 92 qui paye ses droits. Le monstre, envoyez plein de GG, plein de cœur. Pareil, spammez le chat. Et enfin, Driss Panda, lui aussi, c'est pas son coup d'essai. Il offre la possibilité à Nifrad, Maxime, Poporosan, Saintius, Magic Chocobo, Sisik, Sangukan, Nelfi, Rabajoie et Guiloum, leur droit de scolarité au sein du campus. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Driss Panda, s'il vous plaît. Le monstre, vraiment, merci pour tout. Oh là 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 là. On a atteint notre Sabs Go de 1,950. Merci les monstres. Ce soir, coquillette, nous dit Chartrus. Merci Chartrus qui a dû offrir à peu près 60 subs aujourd'hui. Je sais pas, donc il y aura une troisième game. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas mis 100? Normalement, c'est des paliers de 100 les sub goals. Pourquoi j'ai mis un palier de 50 aussi? Putain! En 59, il a offert Chartrus aujourd'hui. Merci Driss Panda. Envoyez-lui plein de GG, plein de cœur. Et merci encore à Chartrus d'avoir offert la possibilité à Himdu, Hawa, Le Bigoula, Skunkio, Alexis R6, FPS, Pouce Indien, Kaeden, Adrael, Zax, Renegade, Raxnello, pardon, Raznello, pardon, Isalco, Pakem, Sossar,
Farshita, Jonathan, Drey28, Vegeta, ou Vegeta, Axel Ba, Pietrangelo, The Guardian et Sightike Off se font tous payer leurs droits de scolarité grâce à la putain de générosité de Chartrus. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Bon, je vais pas me faire niquer parce que je suis obligé de remettre un sub goal. On est à combien là? Non, c'est mort. Je le mets à 4000 le sub goal. Allez vous faire enculer, je vais pas me coucher à 4h du matin et ça va pas être un sub-bâton du T-Chest, les gars. Vous croyez quoi là? Oh. Ok. 2002. Enfin, je peux pas faire le fils de pute non plus. Ok, bon allez, en avant. Du coup. Sub goal lancé. Non, y a pas nano. Non. Il est pas là, nano. Fermez vos gueules. Personne ne l'appelle, lui. Je l'invoque. Nano, faut le dire 3 fois. Attends, on l'appelle. Non, niquez vos races. Je mets 2000 le truc. Le problème, c'est que si Nao veut faire le teach us, il est capable. Mais il peut le faire, lui, il a pas besoin. Il peut passer en 3ème, vous le faites passer devant tout le monde, quoi. Ok, bon alors, du coup. Désolé. Ouais, faut y aller parce que là je suis à la bourre là. Tac. 18h39, ouais je suis un peu à la bourre. Team Creator 1, train 1, ok. Bam. Allez. C'est parti. Tac. Croûte. Oh mais c'est nul ça, pourquoi ça bug? Ok, Croûte est invité. Et l'autre personne c'était qui déjà? C'était Frix. Ouais, Frix qui a offert beaucoup aussi. Hop là, c'est bon pour Frix. Et c'est invité. Ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Chartrus, sachant que t'as offert énormément de droits de scolarité. Bon, déjà, vous pouvez voter pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou 9, en fait, tout simplement. Donc, je vais couper maintenant dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et c'est Oregon qui passe. Vous êtes les mecs les moins originaux du game. Vous êtes même des gros fils de pute parce qu'on l'a trop vu cette map. On aurait pu aller voir Nighthaven, mais vous avez décidé de nous mettre pour la 150e fois fucking Oregon, les mecs. Putain, bande de fils d'up, quoi. Vas-y, j'ai envie de Labs 49-3. Mais non, la démocratie ici, c'est hyper important. Lol. Chartrus, sachant que t'as fait 10 droits de scolarité, tu as le droit de décider quelle sera la Blue Team. Merci Tagaz, d'avoir offert à Valouski ces 2 mois. T'es un monstre, poulet. Labs STP. Non. J'ai fait voter le chat. Vous avez voté, les mecs. Que voulez-vous que je vous dise? Allez. Du coup, Chartrus, t'es là ou pas? T'as le droit de... Nom de la team, Labs. Ah, lol. Ok. Et... Driz, t'as le droit de donner le nom de la team orange. Allez, c'était le dernier à donner un sub. Rouge. C'est nul. C'est nul à chier. Vous êtes prêts, les noobs? Oui. Oui. Eh ben, c'est parti. On dit oui, monsieur, bande de fils d'up. Oui, monsieur. Voilà, je préfère. Non. Qui a dit non? Eh ben, tu participes pas. On va prendre quelqu'un d'autre, à moins que tu t'excuses. Tu as 3 secondes pour t'excuser. Excusez-moi, chef. Je préfère. C'est de la gaffe, guys. Allez, c'est parti. Labs versus Rouge. What the fuck. Merci Soulkiss pour les 5 mois de scolarité. Un monstre, poulet. Surino Streamac. Ouais, mais Surino, c'est un fils de pute. Bon, merci Yoni, t'es pas obligé de rester hein, si tu veux. Hein. Tu peux. Oh, ok, pas de soucis. Bon, salut. À mon avis, tu peux prévoir 3 games. Hein. Mais bon. Ok, pas de soucis. Bah, en sachant que la deuxième est sûre, mais la troisième, je sais pas. Non, j'ai le stream en pause.
l'autre, non, j'ai le stream en pause. Comment tu me réponds du coup du con? Il se fout de la gueule de qui, lui? J'ai paniqué, j'étais plus sur le live, j'ai remis le son, j'ai entendu mon nom. Ah ouais, nul à chier ton nom. L'erreur du joueur français. Ok. Bon. Du coup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va voir qui. Tu vas pouvoir tester la Freecam. Ah, il y a une Freecam ? Ok. C'est où la Freecam du coup? Yo Nano, ça va ou quoi? Nano, je sais pas qui est venu te chercher, mais oublie tout de suite. On va voir qui! Dépêchez-vous! Le premier qui écrit. Bibou le goat, allez vas-y, Bibou, on va voir Bibou. Merci évidemment Nicolas d'avoir payé tes 4 mois de frais de scolarité. Relou les pubs, bah voilà, c'est la raison pour laquelle vous vous abonnez, hein. Pas pour me soutenir. Merci Soulgis pour les 5 mois. Ah bah c'est gentil, merci. Ok, bon c'est approximatif hein, au niveau de l'aim. Bravo. Il y a un bip bip à enlever. Ok, bon. Ah, il vérifie même pas s'il y en avait un deuxième, quoi. On touch, pourquoi pas. Il se replace. Et là, il pourrait mourir sur une agression du truc qu'il vient d'ouvrir derrière lui. Bon, ça, c'est un joueur Emerald, ça. Max Diamant, ça. J'ai raté, c'est quoi l'annonce? Tiens, regarde, Hunter. Tisma vient de te l'envoyer, poulet. Yo 6-4, comment CV? C'est un beau sub goal 2002. Ouais, c'est un palindrome numérique. Relou les pubs. Il y a une vidéo spéciale qui arrive pour les héros d'Oregon. Enfin, les héros de l'EHPAD. Bibou, c'est celui que j'ai battu au SD. Ah ouais, donc il doit pas être... Ouf, ouf. Le son du jeu est un peu bas, mais c'est normal les gars. On s'en fout du son du jeu. Ace de Phasma, c'est qui ce mec là? Ça cheat. Merci Musa Gorn pour les 8 mois, t'es un monstre poulet.
Bon, Bibou, on peut pas le voter. Le noter, on n'a rien vu, quoi. Bon, il a fait un truc, là. Il a mis son Thatcher. Vas-y, on va rester sur lui. On va rester sur lui. Pour avoir au moins un deuxième round sur sa tronche, quand même. 1 sur 20. Alors, il a rien fait de catastrophique. Il est allé aider. Il fait le bon Thatcher, quoi. Il balance des touchs. Il ouvre le mur. Il ouvre le T1. Enfin, il ouvre le closet. Il rota derrière. On lui demande visiblement de l'aide au niveau de la tour. C'est déjà... Ça mérite déjà la moyenne. Déjà, un mec qui rentre et qui ressort de pour aller aider ses potes, c'est déjà pas mal. Donc déjà, ça parle et déjà, il écoute. Ça se voit. Donc on va voir. Il met un drone. Il joue consciencieusement. Il joue consciencieusement. On sent bien que c'est pas le cactus le plus piquant de Jardiland. Ah, je viens de la monter, ça va. Elle est pas si mal. Ah, je me kiffe. Tiens. C'est pas le Thunders le plus croquant du bucket. Salut, ouais, mais faut aller chez KFC pour comprendre. Pour de KFC, les Thunders. Merci infiniment, Docteur, pour les 11 mois, t'es un monstre. Bah écoute, on verra bien. Le lien avec Ubi, je l'ai. Hein. C'est le lien avec Ubi France qui manque. Lien avec Ubi, il y a encore des... Le développeur de RAM est passé tout à l'heure sur le chat. Mais il y a encore 2-3 personnes qui m'ont envoyé des messages. Bon, c'est le mec, il aime bien être support, quoi. C'est bien déjà, il en faut. Ok, sachez copique, hein, sur les lignes connues. Ça s'applique. Il va refaire la même erreur que tout à l'heure. En revanche, s'il est con comme un gardon. Ok, bon, pour ça, je suis désolé. J'étais en train de rajouter des machins. Mais bon, si le mec il a la mémoire d'un poisson rouge, bon, ça c'est chaud quand même. Voilà, c'est... Mec, il vient de faire la même erreur. Tout à l'heure, ça a passé une fois, mais bon, derrière, il faut s'en rappeler quand même. Ouh, l'ouverture de la ligne, deuxième fois, deuxième erreur. Oh là 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 là, il est décalé comme un... Comme un héros de l'EHPAD, quoi. C'est pas ouf, ça. Du coup... Ok, bam. Quelle note? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. C'est parti, vous tapez dans le chat, quelle est la note que vous voulez? Moi j'ai la... Moi je... Voilà quoi. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez terminé de voter ? 0. Vous avez mis 4, j'ai mis 5. Pourquoi c'est reversed là ? Putain, fait chier, j'aime pas quand c'est reversed là. Laissez-moi dé-reversed. Ah, la flemme, vous avez compris. J'ai mis 5. Ok, bon, ça c'est bon. Allez hop. Cinq pour Bibou. On va passer sur qui est-ce qui fait les frags là. Phasma, on va aller sur le lâche. Merci encore docteur pour les 11 mois, t'es un monstre poulet. Et
Et les joueurs console ici, point d'exclamation, console war les amis, parlez-en autour de vous, autrement on fera plus jamais rien sur console. Ça peut être le début d'une belle histoire ou la fin de toutes les histoires. Écrit à l'envers, ça passe. Ah ouais, c'est pas con ça. 5. J'ai fait un plus beau 5 que si je le faisais à l'endroit. Incroyable. Il est encore plus beau que si je le faisais à l'endroit. On a dit qu'on allait voir qui ? Phasma. Ok, le crosshair trop haut, mais bon. Vaut mieux trop haut que trop bas. Mais là, il est vraiment trop haut, frère. Ah. Oh là là. Ok. Ça fait beaucoup de face check là. Là, s'il y avait un mec à droite, il serait mort. Il n'y a pas de drone pour lui. Oh là 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 là. Le Sheiko du bled. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Oh là là. Ah, il va toutes les prendre. Ah, il est dans la jungle et il y a Timo en face. Et derrière, il se fait défoncer. Il y a tout ce que j'aime pas là. Il y a tout ce que j'aime pas. Bon, on essaie de pas faire de bruit, ok, c'est pas trop mal. On essaie d'être dans une logique d'entrée. Au moins, on n'a pas peur, quoi. Mais en termes de mécanique pure, il faut être précis, il faut être pixel. Et puis, ça n'empêche pas, de temps en temps, même Sheiko drone beaucoup, les mecs. Hein ? Pour lui-même, certes, mais même Sheiko drone beaucoup, tu vois ? Donc voilà, quoi. Et quelle note, du coup, pour Phasma, là ? C'est parti. Allez, let's go, là. Allez, vous avez encore 15 secondes pour voter. Tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 dans le chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merde, j'ai oublié de le mettre à l'envers. 8. Merde, j'arrive pas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous avez décidé de mettre la note de 3 et j'ai mis la note de 3. Ils sont incroyables. Mes chiffres à l'envers. Parfait, on est connecté les amis. Bien ouais, je suis d'accord avec cette note. On rappelle quand même que les gens qui vont dire « Ouais, mais lésions, nanana », les lésions sont plus invisibles. Voilà, voilà. Bon, on va aller voir la alibi là. Alibi. Haruni, pardon. Ok, ça fait des petits setups, là. Tac. Voilà, l'autre. Et lui, on le ravite plus jamais, lui. En vrai, il est quand même très fort, Lésion. Oui, d'accord, ok. Mais bon, on s'en fiche. Là, on rappelait juste certains éléments. Il décale le couloir du green. Il prend l'information par rapport à la première possibilité qui est une sortie au niveau du meeting. Shake Opic. Deuxième possibilité sur la double porte au fond. Voilà comment tu scannes. Et après tu regardes, puisque t'es en hip fire, donc t'es pas en full, t'es pas en clic droit, tu vois, tu décales pas. Tu décales en hip fire, bah tu prends les infos. Là comme lui va le faire, là s'il va jusqu'au bout du couloir green pour le coup. Et il va pas le faire, mais c'est pas grave. Mais tu prends les infos de savoir s'il y a des trucs, voilà quoi. C'est... Genre, là, ce qu'il vient de faire. Bah, dommage. Mais tu prends les infos de savoir s'il y a des trucs par terre.
Surtout quand tu viens de t'en prendre déjà 3 dans les yep quoi. Merci Axe. Bon là la décale est plus la merde. Ah, c'est ok tiers ces décales là. Et si le mec est bon en face, derrière on meurt quoi. Mec, renforce le truc là. Ça sert à rien de décaler, c'est son territoire maintenant là-bas là. Ah, ah toutes les... Ah, à droite là de, du locker. Aïe 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 aïe. Et voilà. Et ça on le voyait déjà, c'était mauvais. Ça sentait la croquette dès le début. Donc voilà quoi, on se fait surprendre par une position hyper connue, on a de la chance, et derrière on va s'ouvrir au niveau de la porte sur 4 axes. En face, à 11h, et à 90 degrés à gauche quoi. Le truc à surtout pas faire à la limite. Tu viens de prendre la sauce, bon, t'as déjà une seconde chance, qu'est-ce que tu fais? Tu renforces le mur, tu restes dans la cuisine et tu dis les gars, il y en a un qui m'a poussé au niveau du green là. Pas au niveau du green, mais au niveau du... au niveau de la tour grise. Voilà quoi. Quelle note du coup pour la alibi Aroni. Je vais faire la même erreur. Allez, vous votez. Après, la mise c'est Aroni. Il prend Aroni, ce qui est pas mal. Il est au M14. Bon, silencieux, pourquoi pas. C'est ok. Derrière, faut s'adapter en fonction de des dangers qu'on prend. Faut savoir s'adapter, là. Là, il y a un moment, t'as pas besoin, en plus, étant donné vu l'issue du match, t'avais pas besoin d'être agressif. Voilà. Vous avez mis combien? Vous avez décidé de mettre 3. J'ai mis 4. Putain les gars, si vous avez des connexions de merde, please participez pas quoi. Vous contraignez tout le monde. Si vous avez des PC tout moisis là. J'en suis désolé pour vous, mais voilà quoi. Le message là, inscription console war, pareil que l'autre, hein, celui qui tourne de temps en temps là. Il y a un surveillant dans le chat ou pas? Bah c'est moi. Mais c'est pas Mako, c'est mon PC. Et bah t'as un PC qui pue du zboob, Jérémy. Zeros, que tu peux faire en sorte, s'il te plaît, que ce soit marqué la même chose, quoi. La console war, le nouveau concept arrive. Bah je peux t'écrire le truc. Ouais, si tu peux remplacer par ça, ce sera mieux. Du coup, Jérémy, tu reviens ou... Hein? On va pas attendre 3 heures, là. Il a quoi, ton PC? Il est à combien le PC shooter? Il était à 1003 Zenko. Hello Six, c'est en vidéo sur pourquoi Dieu commande toutes ces histoires en salon pour qu'un... Merci Ronaldo, vraiment. N'oubliez pas de lâcher un message sur le truc. Oui, dis-moi. Bonsoir. Du coup, le mec... Bonsoir, c'est qui là? C'est Axe Dax. Eh ben, on se présente. Oui. Il faut... On se présente et on dit bonsoir à tous les 455 spectateurs. Bonsoir à tout le monde, voilà. Je suis Axe Dax, le mec que vous adorez tous.
Et qui s'est fait attacher à un arbre. Voilà, c'est celui qui se fait attacher par un arbre parce que c'est une petite fils de pute de balance, si vous avez vu la vidéo qui est sortie samedi, vendredi. Ouais, si vous l'avez pas vu, allez vous abonner à la chaîne YouTube, bande. Et après, on a coupé le passage où on lui fout des chaussettes dégueulasses dans la bouche. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'arrive à m'en séparer. Ok, donc du coup, quoi ? Du coup, il arrive pas à se reconnecter au match. Riost. Oui, Riost, mais sans lui, du coup. On peut pas prendre le risque. Non, pas du tout. Bah non, s'il y a un problème avec son PC, c'est dommage, mais du coup, on trouve quelqu'un d'autre. Voilà. Ça marche. À tout à l'heure, Axinx. Merci pour tout. T'es un monstre. Ouais. Merci. Désolé, Jérém, mais poulet, voilà quoi. Si c'est ton PC, c'est ton PC. Ok, je l'entends. Néanmoins, on peut pas faire. Voilà quoi. 3-1. Super. Bah, on s'en fout après du score. Mais ça, si vous avez des PC de merde, les gars, participez pas aux petites choses. J'ai appuyé sur le bouton off de ma multiprise, excuse. Bah écoute, c'est dommage, Jérémy. Bah faudra faire gaffe, la prochaine fois. T'appuieras pas sur le bouton off de ta multiprise. Tu mettras du scotch autour. Du coup, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là ? Hop là, bam 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 bam, tac, custom, create online, Pro League, West Europe. Create a spectator. Salut Scat, t'as toujours été sur PC ou t'as commencé sur console ? Pff, non, j'ai jamais commencé sur console, mec. Non, j'ai toujours été sur PC. Depuis la PlayStation 2, je suis sur PC. Voilà. En avant, route, du coup. Et après, il faudra me donner... Bah non, c'est Freaks, du coup. Je les laisse inviter quelqu'un d'autre. Ok. On va remettre, du coup, le... truc, on va remettre les scores. C'était Labs de mémoire et c'était Rouge, comme ça. Tac, 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 tac. Nouveau nom de team. Non, c'est bon. C'est bon, on a le remplaçant, ils vont s'inviter. Super, nickel poulet. Merci pour tout. Tac, ça c'est bon. Il me faut juste les rounds history. Ok, qui est-ce qui avait gagné, les amis ? Vous vous en souvenez ou pas ? Hola, Six, je te garantis que tu ne regretteras pas cet événement sur console en tout pour la communauté PlayStation. Bah, va falloir faire passer des messages. Hein. Parce que là, pour le moment. Tiens. Il y a 3-1. Oui, mais qui a gagné quoi ? Le premier en haut gagné par attaque. Ouais, Pixel, t'es un monstre. Donc, le premier en haut gagné par Blue. C'est ça ? T'es sûr ? Et donc, les autres gagnés par Orange. Mais où et où ? Le deuxième en haut gagné par Orange, c'est bon. Tu peux juste me dire les bombes sites pour le... À quand Atichas sur console ? Je sais pas. Si on voit qu'il y a plein de trucs et plein d'effervescence sur console ce week-end, on peut faire plein de changements, nous. Troisième en bas ? Troisième round ou troisième round gagné par les oranges ? Buanderie et cuisine. Laundry et kitchen. C'était meeting ? Ouais, c'était meeting kitchen. Et non pas Kitchen Dining. C'est bon, on est bon. Tac, les trucs bannis, c'était quoi ? Le ban des opérateurs. Flores, Fenrir. C'est bien, il y a des gens qui suivent. On a dit Flores et on a dit Fenrir. Thorn et Oza. Oza, Flores, Fenrir, Thorn. Ok, on est bon. Et on attend le dernier.
Il arrive le dernier ou quoi? On ne choisit pas à qui on offre un sub, c'est bizarre, non? Non, tu peux, je crois. Si, si. Tu peux. Mais quand tu offres des paquets de subs, c'est... tu peux pas choisir. Alright. Ça va, Akkod? Ça va, Akkod? C'est des manettes? Ouais, ils jouent tous à la manette. Eh, vous m'entendez pas ou quoi? Si, il est trop chaud, c'est si. Cool! Akkod, ça va? Il peut pas parler dans le chat. Comment ça, il peut pas parler dans le chat? Je sais pas, il est mute. Il est mute R6. Moi, je vois pas mute sur R6. C'est bon là? Ah! C'est quoi ton prénom, Akkod? Dylan. C'est pas Jérémy? Non, pas du tout. Ok. Ah bah, c'est bon. T'as un bon PC, Dylan? T'as un bon PC? Oui. Bien le bonsoir. T'as pas une prise électrique à côté de tes pieds? Non, ça va, je suis bien. Ok, impeccable. On peut continuer alors. Allez, have fun. Putain, je te jure quoi, me casser les burnes. Merci Kyrex pour le fait de payer depuis 7 mois tes droits de scolarité. Merci Xerox pour avoir offert à Elsoj ces 4 mois, vous êtes des monstres. Et merci Xerox pour toi-même d'avoir payé tes droits de scolarité. Et merci Ja pour les 27. Ok. Des monstres. Bientôt 2000 abonnés. On y est presque. Oh, des PC, manettes. Et comment tu sais qu'il n'y a pas de cheat? Il n'y a que des cheaters. On a pris que des cheaters. 100% de cheat. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. On prend que des cheaters. Là, c'est que des joueurs manettes qui cheatent. Ils ont tous des Cronus, Ximus, CSUS. Les gens me prennent pour un fou à regarder ton stream dans la rue. Ah ouais, t'as gaz, t'as vraiment fait trop de subs du coup. T'es vraiment SDF maintenant. Ouais, c'est chaud. Mais non, cheat en mode, ils sont CS. Ah bah, ils sont CS. Ne joue pas sur les mots avec moi. Ah bah là, ils sont tous CS, de toute façon. Ils sont tous CS. Allez, c'est parti. On va voir qui. Aïe, putain, merde, fallait aller voir qui déjà? Bibou, on a déjà fait. N'oubliez pas de noter. Bah tiens, on va voir Akkod là. Oh bah déjà, vu comment il rappelle, oh là là, pire des endroits quoi. Il s'est dit, tiens, si j'allais rappeler au pire des endroits. Et que je mettais pas de silencieux sur une AQ. Après, tout dépend. Est-ce qu'ils ont une info sur la tour rouge? S'ils ont une info tour rouge, le fait d'être parabole, c'est bien. Pas droné ? Mec,
Arrête de faire des pré-shots là, t'es pas streamer. Tu veux pas juste droner? Ah bah bravo, bah y'en avait déjà un, t'as vu? Waouh, ça fait un paquet de cartouches là. Oh bah bien pour s'annoncer là. Ça va. Mais mec, y a un drone là-bas. Et t'as des gens morts. Ah c'est Solis, peut-être qu'elle est remontée, elle a pété les drones. Ah bon endroit pour enlever le truc. La Solis met le clutch. Ah non. Elle est con comme une toupie. C'est que je trouve que tu devrais laisser pousser ta barbe. Oh mais ta mère elle aime pas, ça lui gratte la chatte. Donc mettez-vous d'accord en famille. La même joke depuis 2018. Mais ça, c'est... À chaque fois que vous faites des trucs trop personnels, moi, ça part sur votre daronne, de toute façon. Je devrais me laisser pousser la barbe. Mais qu'est-ce que ça a à foutre là-dedans? On est sur Rainbow Six, mon gars. On est en train de... Il y a des petits mecs qui sont en train de faire des petits shake-o-pic et tout, et qui posent des bombes et qui diffusent. Et derrière, on veut voir du teamwork, du teamplay, de la couverture, etc. Siskat, je pense que tu devrais te laisser pousser la barbe. Et qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Bon bref, qu'est-ce que IQ là? Elle est comment elle? La note de IQ. Vas-y, elle a utilisé IQ. Déjà, ça pue du cul. Pourquoi IQ? Non mais autant quitte à prendre, quitte à aimer le SIG 552, autant prendre Grimm aujourd'hui, tu vois. On est d'accord ou quoi? Ah vas-y. Vous avez mis combien là? Votez là! Dépêchez-vous putain les mecs! Vous faites quoi? Et vous tripotez la nouille. Vous tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 dans le chat. C'est quand même pas compliqué. Bordel de merde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous avez mis 5, j'ai mis 3. C'était nul à chier. Oh, d'autres questions? Oh, franchement, c'était... Ouais. Mais non, mais il y avait trop de faits échecs, il y avait trop de trucs là, et on... Faut prendre son temps, tu vois, il y avait une cam qui était mise pour derrière, pas la peine de faire des pré-shots de partout, arrêtez les pré-shots et des trucs de merde, quoi. Merde, on l'a déjà vu, lui. Faut Rainbow Six, c'est simple, faut jouer simplement, quoi. Merci Zelex pour les 2 mois. Merci Kirex pour les 7 mois. Oula. Bon, on a rien vu là, du coup. En vrai, ça donne envie de reprendre Rainbow Six. Bah ouais, c'est le meilleur jeu du monde, mec. C'est un Teachers. Ok, merci. Pff, mais Docteur Bédo, encore sous weed. C'est un Teachers. Bah oui, c'est... Faut que je passe dans l'endroit du Teachers, c'est ça? Comme ça, au moins, on me fera plus chier. Je sais même pas si on a toujours la salle du Teachers. Salle du Teachers! Ah, voilà.
en fait. Suffisait de demander. Six, tu joues quel canon sur tes armes ? Silencieux. Ok. On va aller voir qui. C'était qui qu'on a vu là sur la fin là tout à l'heure là ? Galactique. Ancien coaché en plus lui hein. Hein ? Allons voir Galactique. Route. Non, on va pas aller voir Route. C'est une femme, tu vois. On va pas. On sait bien que ça dépassera pas la moyenne. Quelque part. À quoi bon ? Aïe ! Oula ! Galactique qui sait vachement où se trouve la fenêtre. Ah non, on ira voir où tout à l'heure. C'est qui la dernière femme qui a gagné le Six ? Pengu. Ah, Galactique, il est du père là. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là ! Rien que ça, je vais enlever des points. Oh là là ! Mais il est bourré ! Pourquoi les gens jouent IQ ? C'était pas dégueulasse ça ? Même si son crosshair est trop une fois de plus. C'était propre ça ? Bon, Galactique, va falloir reprendre un coaching. Hein. Mec, le droning, il pue du zboob, raté sur un lancer de droning, raté sur la fluidité du drone. Faut respecter tout dans le jeu, ça se joue au détail, bordel. Et derrière, zéro contrôle sur la case qui s'appelait visiblement Escalondry. Hein, quand on va prendre l'escarmerie, on y va, et à aucun moment, du coup... On a visiblement demandé à quelqu'un, est-ce qu'on sait s'il y a quelqu'un à Escalondry ? Ou on est allé droner soi-même, voire même mettre un nomade hein, pour avoir un meilleur contrôle des rotations, puisqu'il y avait déjà une position de notre pote au niveau visiblement du Z. Donc son drone, son truc servait pas à grand chose quoi. On aurait pu se dire, ok, bah on a pris le main, faisons du main notre. Une case de chez nous quoi. C'est pas ouf, Galactique. Désolé. Il va falloir bosser encore. Le Six Invitational est loin, mon poulet. On va aller voir Kroot. Écrit à l'endroit cette fois et je me suis gouré, j'ai écrit à l'envers. Bien, putain, les gars, vous connaissez mieux mon métier que moi, quoi. J'ai mis 3! Ok, voilà. Wow, il y a eu une belle tête là, de la part de Route là. Qui prend Warden. Attention, quoi. Attention, mademoiselle. A plus tard, Tagaz, merci pour tout, poulet, t'es un monstre. Bon, c'est ok.
L'aim est bon. Bon, les décales sont un peu grossières quand même, mais bon. En termes d'efficacité, Wamai est-il meilleur que Jaeger? Non, c'est situationnel. On peut pas dire meilleur que... C'est pas possible. Merci évidemment Shooter Popetetto d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit de scolarité. T'es un monstre. Merci Shooter, vraiment. Merci pour Briareos, Funky, Pokito, Frozen et Dragunov qui se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de Shooter Potato. Et du coup, j'ai pas vu comment elle était morte. Bon, d'un autre côté, on peut pas le compter. Bon, on est en 5v1. C'est normal qu'ils aillent chercher le dernier blaireau qui se balade sur la map. C'est pas de la greediness, quoi. Hein. C'est juste on se fait chier, quoi, en fait. Oui, cheat. Sourigno. Il a mis la porte, hein, tu t'en rappelles, non? Oh ouais. La grenade était belle, hein. Putain la vache. Je pensais... Putain la vache, elle a tapé en bas et tout. Sur une pixel comme ça, sur le mouvement, pas simple, hein. Ah bah dommage. Ouf. Il a pris un one, non? Bon. On va renoter recruit. Le Warden c'était ok et après bon bah on est, c'est normal, on est en chasse au terreau quoi, 5v1, bon, normal quoi. Notons là sur un autre round, qu'en pensez-vous? En même temps on s'en fout, c'est moi qui décide de toute façon, donc vous diriez non on n'a pas envie, je vous dirais bah moi j'ai envie en fait. Ok. Bon, j'arrive, je vais chercher une banane. Avec ma banane. Ça a donné quoi? Il y a eu un kill? Ah non, il vient de mourir la première. Alibi. Alibi Warden, on est vraiment pas dans une considération d'aider son, ses potes d'un point de vue... On veut faire des kills quoi. Six et où MDR? Dans ton cul. Bien verte là. Je vais manger mes coquillettes, je reviens après. Merci pour tout, Chartreuse, c'était un monstre à tout à l'heure. Allez, mais on voit pas de kill là. Elle a tué le mort. Ah, ils ont des setups sympas là. Ouais. Mettre les alarmes, c'est pas mal.
Les moves sont ok. Oh, c'est pas une tête ça? À quel moment c'est pas une tête ça? Elle a de bonnes mécaniques hein. Oh là là. Merci Dano Williams pour les 5 mois. Merci HVN pour les 9 mois. Bon, en termes de mécanique, ça va. On sent que c'est pas mauvais. Après. Hello 6. On sent la ranked héros, quoi. Je prends Warden, je prends machin, je vais faire des kills. Me faites pas chier. Ils sont où? Ils sont où? Donnez-moi les calls. On aimerait du coup bien voir ce que ça donne quand ça joue un peu plus sérieux et quand ça commence à transpirer les fesses en face. Néanmoins, les mécaniques sont bonnes, sont ok. Note! La note pour Croûte. Merci Gigo Fast Life pour les 5 mois, vous êtes des monstres. Enfin, t'es un monstre. On l'a déjà vu lui, pardon. On l'a noté. Vibes, on l'a pas vu. Tiens, parfait. Merci pour le... Ok, ça prend Ace. Vous avez mis combien? 7. J'ai mis 6,5. Parce que c'est une gonzesse. Donc je vais pas mettre 7. Question de principe. Il y a un moment, bon. Voilà quoi. Ouais, j'ai envie de récupérer mon charme. Ouais, c'est de l'humour, hein, de l'humour. Lol. Humour beauf, tout ça. Eh hey, bien. Oh! Vibes is in good vibes. Border 6. Non. Les blagues border, ça n'existe pas. Il y a des blagues et des trucs qui ne sont pas des blagues. C'est tout. C'est binaire. Ouais, bon, c'est approximatif quand même. Dommage. Visiblement, on se dit ça doit être un caïd. C'est un caïd. Merci Amatix pour les 19 mois de frais de scolarité. De retour ok, sur live, pourquoi pas. Un plaisir. Pourquoi j'ai pas ça et je mets de côté pour me faire un on joue sérieusement, vous, j'aime bien. Une grande joie que je reviens sur tes lives après quelques mois, signe de la main. Eh ben merci Amatix pour les 19 mois. Re-bienvenue sur les lives et sur R6. On s'applique. Les mécaniques sont pas exceptionnelles. Preuve en est. Ça se joue pas encore sur les détails. Pourquoi tu le jouerais? Pourquoi tu le jouerais au lieu de pousser sur site? Je pouvais pas passer dans le trou. Si c'est le cas, bah c'est parce que tu sais pas faire les trous avec Ace. C'est dommage. C'était pas mal ce qu'on a vu. Il y a pas mal de choses. On s'applique, quoi. En revanche, va falloir faire du TDM. What the fucking hell? What the fuck is going on? On
On a pas atteint le truc, je vais pas faire une troisième game hein. Merci Shooter Potato d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit. 10 personnes même de payer leur droit de scolarité. Et vous pouvez envoyer la note là. Il y a ça qui apparaît derrière moi, vous pouvez envoyer la note, bordel de merde, dans le chat. Dépêchez-vous, on va pas y passer des heures. Là, il y a un truc qui apparaît derrière moi, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Quand même pas compliqué, merde. Et merci Shooter Potato d'avoir offert la possibilité à Arthurne 6094, Berlusque, Maxno, Sandy Pose et Abarai leur droit de scolarité au sein du campus de la Solitude Academy grâce à la putain de générosité de Shooter Potato. Shuriken, on l'a pas vu lui. Bon, j'aime bien Vibes parce qu'il s'est appliqué quand même. Mais c'est les mécaniques qui sont trop moyennes. Les décales, les pré-shots, on sent que c'est... Hein. Mais c'est ok, c'est moyen ok, hein, c'est au-dessus de la moyenne quand même. C'est là, faudrait qu'ils se complémentent avec Root là. Elle, c'était l'inverse. Les mécaniques sont bonnes. En revanche, l'utilité dans l'équipe... peut-être un peu moins. Ah oui, c'est sympa setup. Ok, vous avez mis combien? Vous avez mis 6. J'ai mis 6,5. Voilà. Pour la raison que je viens de donner. On va aller voir qui. Shuriken. Il a mis où ces trucs? NDR, on peut pas mettre 6,5. Ouais, bah parce que moi je suis un boss. Ah ouais, donc du coup, le sub goal. Merci Shooter, t'as un monstre poulet, hein, vraiment. El Monstro. Bon, en revanche, le prochain, dans longtemps. Là, je me fais parniquer. Ah, mais non, c'était le train de la hype qui a déclenché. On n'a pas atteint le palier. Si? Non! Pourquoi il a... Ah mais le sub goal il est pas bon en fait. Et pourquoi je vais faire casser ma roue? Personne ne m'a rien dit, vous êtes des fils de pute. Salut boss. Pourquoi vous m'avez pas dit que le sub goal c'était pas bon? 2002. Oh il a mis 2002, c'est hyper bien comme sub goal. Venez on débloque un 2002. C'est le troisième game. C'est 2002 le sub, le truc là. Ah, ok, bon, bah, pas de troisième game, impeccable. Putain, vous êtes con ou quoi? Vous pourriez me le dire quand même quand je fais une erreur. Personne ne me l'a dit, sympa les mecs. GG! On n'a pas vu. Merde, c'était qui le dernier? J'ai pas vu le dernier. Merci Dobby Elf pour les 4 points de frais de scolarité. Il y avait des trucs intéressants sur le dernier ou pas? Il y a déjà 3 games, 6-4. Comment ça, il y a déjà 3 games? Ah non, c'est celle-là la troisième game. Mais non, mais déjà 3 games, c'était celle-là le sub goal. 2002, c'était le sub goal 3ème game, pas 4ème game. Il y a eu 2 paliers.
Deux paliers, ouais. Donc le premier a débloqué la deuxième game. Et le troisième... La troisième game. Vas-y, niquez vos races, là. Ah oui, bon, d'accord. Quatrième game. Oh non, mais non, mais non, mais attends. Me faites pas chier, je vais pas faire que ça non plus. En 2005 en sub. Oh non, 2006. Ouais. Quatrième game, c'est bon quoi. Ça me fait déjà chier de faire un machin. Ouais, pour la rediff, mais t'es un fils de pute, t'aurais pu jouer, de toute façon, t'as pris 3 vibes. T'es mécanique avec Ace pue la merde. Merci pour les 6 mois de frais de scolarité, voilà, comme ça t'as pas besoin de regarder la rediff, je t'ai fait un résumé, mec. Ouais, tu vois, bah, previously in the teachers, vibes pue la merde. Voilà. Et pour le 2002, tu m'as pas répondu, ouais, c'est un palindrome en chiffres, c'est bien 6-4. Ah oui, j'avais pas compris ce que tu voulais dire, du coup. Allez, let's go, là. C'est parti. Faut enchaîner, là. Bon, bah, la deuxième game est terminée. Merci infiniment, YouTube. Vous êtes des monstres.